Il y a 6 km, 6 km exactement entre la sortie d'Aveluy et l'entrée dans Arombert. Allez, une première relance là pour le peloton. Benoît Jarier dans les dernières positions pour l'équipe Fortuno Samsic. Benoît qui avait pris l'échappée justement sur Paris-Roubaix il y a quelques années. Adrien Petit qu'on retrouve enfin aux avant-postes, Adrien. Et regardez Peter Sagan. Toujours pas d'accélération hein, au sein du peloton. Ça s'étire, mais pour l'instant, il ne se passe rien. De cette étape très difficile où il n'y avait à l'avant que les vainqueurs. Non, n'a pas encore de victoire. On a vu en dernière position un Carretero, le coureur d'équipe Movistar. C'est pas le plus à l'aise. Hein. Purgatoire. Mais content d'être là. Mais je pense qu'il doit avoir peur, notamment lorsqu'on va arriver dans la tranchée d'Arombert, ceux qui vont découvrir. Cette tranchée, certains l'ont fait en reconnaissance, mais parfois la reconnaître lorsque vous n'êtes pas à l'aise sur les pavés, c'est pas un cadeau. Mais ah bon, je dois y retourner là-dedans. Surtout quand on regarde les images du passé avec toutes ces chutes et toute cette dramaturgie hein, autour de cette. Hey, vous en voulez des chutes, encore une chute et nous sommes dans le groupe des leaders. Ramon Sinkeldam qui est retardé. Arnaud Démare apparemment était devant. Hein. On s'est couché là. Ouh. Ouais, c'est un coureur de la Bahreïn hein, qui a traversé la route. Et voilà, qui a perdu. Hop, 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 chute. Christian Corrène qui a été pris dans cette chute. Un coureur de la Mille Shelton. Ignatias Konovalovas qui rechausse. Jack Bauer qui a été pris dans cette chute. Sébastien Langevel. Hey, Sébastien Langevel, troisième l'année dernière, est tombé également. Matteo Trentin. On le voit ici, Matteo Trentin avec. Ouais, c'est Trentin qui reste au sol et c'est Jack Bauer hein, qui essaye de venir et de s'enquérir de la tas de santé de l'ancien coureur de la Quick-Step. Hein, vainqueur de 5 étapes sur la dernière édition du Tour d'Espagne. Et le peloton qui sort d'Aveluy. Oh, là, ça va être compliqué hein, pour Matteo Trentin et ceux qui sont tombés maintenant parce que ça va plus débrancher là, Jackie. Et non, parce que là derrière, c'est la trouée d'Arombert. Allez, on en profite pour se ravitailler. Une légère transition. C'est le début du money time du milieu. C'est ça. Ouais, t'as 5-6 minutes là pour bien te ravitailler, manger, boire. Faire une petite prière. Aussi. Franchement, cette période avant Aveluy, avant Arombert, pardon, elle est tellement stressante. C'est vrai que pour parler vraiment juste de ma propre expérience, j'avais ce sale souvenir de Tristan Valentin qui s'était explosé le coude. Et il y a forcément un moment donné où c'est que ça te traverse la tête et tu te dis, bah là, il faut que je freine. Et si tu freines, t'as perdu. Donc il faut aller contre ses peurs. Et c'est clair qu'il y a très très peu de courses où il y a autant de stress avant cette fameuse trouée d'Arombert. La fierté d'une région, ce site minier de Wallers à Arombert où a travaillé Jean Stablenski, ce site minier qui a servi aussi de décor au tournage de Germinal, vous vous en souvenez, il y a quelques années, avec Renaud, le chanteur, enfin acteur. Ta-ta-tan. Ta-ta-tan. Vous savez quel est son plat préféré à Renaud? La tartatin. Je vous laisse avec ça, je suis désolé, craquage. C'est le stress d'Arombert, Guillaume, on vous en voudra pas. Jackie, t'avais le stress toi avant cette. C'est là où il commençait à siffloter dans le peloton, Jackie. Ah, mais moi je me souviens d'une édition où. Parce que l'objectif, surtout lorsque c'est gras, bon, c'est de moins en moins gras, mais j'ai connu des éditions où c'était très gras. Évidemment, le combat là, pour rentrer en tête dans Arombert, il faut y être. Et je me souviens, un jour, je rentre entre la 5e et la 10e place d'Arombert, je dis c'est bon, ça va être magnifique, je suis devant, ça va tomber derrière. Et puis en haut, on va se retrouver devant. Sauf que lorsque vous êtes coureur, vous pensez aux coureurs qui sont capables éventuellement de chuter derrière vous, mais vous ne pensez pas sur le fait que ce soit peut-être vous qui tombe. Et qui est tombé, 400 mètres plus loin, bam, allez, éclaté. Avec 3-4 gros culs sur le dos. C'était qui? On les voit de près, les gros culs. Mais après quelques années, on peut en rigoler. Sur le moment, ah bah non, ce moment, on ne fait pas le malin.
Mais là, je peux vous assurer que ça fait plus le malin dans le peloton, parce que le peloton, il va accélérer. Et on rentrera à 60 km/h dans la trouée. Il y a même un silence radio dans l'oreillette. Je peux vous garantir que les directeurs sportifs, ils se taisent. Et ils sont également très stressés. On ne donne plus d'informations avant Rambert. On sait qu'on est dans un endroit où on peut tout perdre. On est très stressé, très tendu. Mais il faut aussi avoir cette, finalement cette décontraction pour arriver dans la trouée d'Arambert sans paniquer, sans être trop tendu sur le vélo. Il y en a pas mal des coureurs de l'équipe Vital Concept Cycling Club. Julien Maurice a été retardé tout à l'heure par la chute. Mais apparemment, il a pu repartir assez vite. Bert De Backer est toujours là. Il m'a semblé en voir un troisième également. Arnaud Démare, bien positionné avant le passage dans la trouée. Ouais, pour l'instant, on a vu des coureurs qui ont perdu toute chance de gagner Paris-Roubaix. On est encore nombreux, mais à la sortie de la trouée, on fera le point, mais il y aura un peu moins de monde. En tout cas, l'échappée, elle aura réussi son pari. Passer la trouée d'Arambert aux avant-postes. Alors, on va voir comment va se comporter Marc Soler. C'est là-bas au bout, regardez les arbres. Vous voyez les barres en ferraille, là, les barrières en ferraille. Il y a des coureurs qui sont déjà empiergés là-dedans, tellement c'était nerveux. Donc, quand on le sait et qu'on le voit, qu'on est sur le vélo. Ouais, empiergé, emplâtré. D'accord. Empiergé, Jean-Pierre, tu vois, les empierges. Et aux participes passés qui se foutent empiergés. On va se taire, on va respecter ce moment. L'entrée des 9 hommes de tête dans la trouée d'Arambert. Qui est en train de casser le groupe des échappés. Il y a le Wallace qui arrive à suivre. C'est plus compliqué pour Duquesnoy, plus compliqué pour Ludovic Robit. Et l'approche là du peloton. Attention. Allez, on va pareil. On va se taire et on va regarder le peloton s'il n'y a pas de mauvaise surprise. On va peut-être commenter un petit peu sur le peloton parce que ça va rentrer fort avec Tony Martin à la manœuvre. On replace Christophe Laporte. On replace Sepp Van Mark également. Et le sprint de Philippe Gilbert qui veut rentrer en tête de... Hop, attention. Là, il s'est fait fermer la porte, Philippe Gilbert. Alexander Christophe est là aussi, bien placé. Oh, il est loin, Arnaud Démare. Il est loin dans ce peloton. Hey, Tanguy Turgis qui est là à l'arrière. Coupe de Corde en dernière position. Avec Coupe de Corde, il a fait le gros effort pour placer John Degenkolb. Et là, attention. Ça se rétrécit un peu. Il y a quelques années, il y avait un gros trou après 200 mètres. Il est bouché, ça gagne, aucune faute. Il est là. 50 ans après, on revient dans Arambert. La première fois, c'était en 1968. Marcus Burgard qui fait le travail pour Peter Sagan en troisième position. Adrien Chausselet qui a profité de l'aspiration pour se replacer. Marcel Sieberg en troisième position. Van Avermaet, quatrième position. Tout le monde est là. Il n'y a pas eu de chute à cette entrée d'Arambert. Pas beaucoup de bidons qui ont volé.
Et tout le monde a obligé d'être sur le pavé. Hein. Guillaume Jacqui, l'herbe à gauche, elle a été retournée par les paysans. Ah oui, non, ça roule interdit. Pas. Ça roule pas. Hein. Le seul endroit où on peut éventuellement rouler, hein, c'est sur la droite, derrière la droite, dans le sens de la course, vous voyez, sur cette bande cyclable. Mais évidemment, il y a des barrières. Donc, il y a quelques années, on roulait là. Dans un premier temps, on avait mis une espèce de ficelle là, pour regarder tout le monde, mais ça ne suffisait pas. Donc, barrière Vauban, effectivement, chaque année, on fait passer les motoculteurs là, dans l'herbe pour éviter qu'on aille chercher l'herbe à gauche et laisser les coureurs dans le pavé. Et sous les pavés, on pense à Jean Stablinski. Jean Stablinski qui a été le seul à être dessus et dessous. Bien vu, Dadou. Allez, Yellow Wallace et Marc Soler qui est là et Sylvain Dillier. Autant je ne suis pas surpris de voir Yellow Wallace, mais Marc Soler s'en est bien sorti de ce secteur d'Arambert. Il va peut-être prendre du plaisir. Bistrom également. Et derrière, c'est plus dur pour les deux coureurs de la formation Wallonie-Bruxelles, pour Geoffrey Soupe, pour Smokoulis, mais ça devrait rentrer. Il y a Claudio qui dit qui se moquait de Solaire tout à l'heure sur l'hashtag les RP. Si, on se moquait un peu parce qu'on sentait qu'il cherchait la bonne trajectoire, un coup à gauche, un coup à droite. Mais non, chapeau. Marc Solaire, aïe, c'est dur pour Jens de Buskere, c'est dur pour Arnaud Démare. Normalement, on l'a compris rapidement lorsqu'il a été victime d'une crevaison, personne ne l'a attendu. Konovalova, Sinkeldam, ils sont restés toujours dans les premières positions. Seul Marc Sarro s'était relevé, c'est qu'il n'est pas au top, le champion de France. Il est dans un jour sans, mais il va s'accrocher à Arnaud Démare, ça. Et Mike Tennyson, allez, ça y est. Attention au début des hostilités, avec une accélération du vainqueur chez les Espoirs en 2014, Mike Tennyson. Et c'est Philippe Gilbert directement dans la roue. Est-ce que c'est Daniel Oss qui est également là? Oh, il y a un bon coup là. Tennyson, Gilbert, faut pas les laisser partir les autres. On va peut-être avoir des bonnes petites cassures. On a vu que sur la première partie, on a vu que Peter Sagan calmait tout le monde. Allez, on le fait tranquille. Il a même demandé à Marcus Burger de ne pas accélérer trop fort. On est bien placé, on ne prend pas trop de risques. Ça a cassé dans ce peloton. Il y a deux groupes maintenant avec Mike Tennyson et Philippe Gilbert qui se font la malle. Ça roule vite, ça roule fort. On est sur la fin de ce secteur de Wallers-Arambert. Mike Tennyson qui a mis un grand coup d'accélérateur, qui veut tenter de faire exploser ce peloton. C'est plus dur derrière forcément pour Debusquereux, pour Démare. Et la relance surtout à la sortie lorsqu'on va tourner sur la gauche. Ça fait mal, ça pique et on enchaînera très très vite avec le prochain secteur. Regardez là. Pongibus après. Un petit passage à droite où on peut aller chercher du rendement et il faut retourner assez vite sur le pavé. En tout cas, belle accélération du coureur hollandais de la formation Sunweb, Mike Tennyson, qui sort à l'instant même d'Arambert. Avec Sibér qui fait l'effort derrière. Frison qui est là. Et puis derrière, Daniel Oss, Peter Sagan, cette bande marqueuse. Les favoris sont Pedersen. Là. Il y a Jan Stannard, Gianni Moscon, Christophe Laporte bien placé. Jdenek Stibar qui fume la pipe. Messieurs. Christophe est là. Ouais, sorti de la trouée d'Arambert et on peut le dire. Arnaud Démare va avoir du mal à remporter cette édition de Paris-Roubaix à 90 km de l'arrivée. Il subit Arnaud Démare. Oui, là c'est certain qu'il subit Arnaud. Il est pas bien, tout simplement. Il n'est pas bien, il n'a pas les jambes. Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il est dans un jour sans? Le secteur Delhem, vous l'avez dit, sera le prochain secteur. Le fameux secteur Pongibus en l'honneur du double vainqueur de Paris-Roubaix, on en parlait tout à l'heure, Gilbert Duclos-Lassalle. Et ça anticipe un petit peu derrière le peloton. On a vu Mats Pedersen lui aussi tenter d'attaquer, mais regardez, parce que juste devant, c'est Mike Tennyson avec Philippe Gilbert qui ont pris une petite dizaine de secondes d'avance. On rappelle que c'est le leader de la Sunweb, c'est celui qui avait les meilleures chances. Il a préféré ne pas être patient. Pour l'instant, Philippe Gilbert ne collabore pas. Et s'il va le faire, il est dans l'obligation de le faire. Ah, des cassures un peu. Nicky Terpstra, il traînait à l'arrière de ce peloton, mais il est en train de faire la jonction. Alexander Christophe qui est bien présent. Et derrière, on va revenir. Allez, Robit et Smoukoulis, ils reviennent sur la tête de course. Il n'y a plus que 2 minutes d'avance. Ça va être très compliqué. Parce qu'il reste un bon peloton
Attention, hein, il va falloir commencer à sortir les sprinteurs également, parce qu'il y en a beaucoup des sprinteurs. On a vu Christophe, on a vu qu'Arnaud Démare était là en pas grande forme. Il y a Christophe Laporte. Il y a Degenkolb. Degenkolb, je pense qu'il est très très bien. Ouais. Je l'ai jamais vu vraiment en difficulté. On va le suivre, l'ancien vainqueur. Et ça fait longtemps, hein, qu'on l'a pas vu aussi bien, depuis deux ans, depuis son accident en préparation. À l'époque, il courait encore avec Warren Barguil au sein de ce qui est devenu la Team Sunweb. Il y a de la tension dans la cabine d'Eurosport, ça y est. On a perdu Steve Chenel. Non mais c'est quand même bien passé, hein. La trouée d'Arambert, on n'a pas eu vraiment de chute, on n'a pas eu de crevaison, hein, également, parce qu'un leader, lorsqu'il est victime d'une crevaison à cet endroit, ça peut être préjudiciable. Allez, on arrive sur le secteur du pont Gibus. Toujours Marc Soler, hein, qui fait le tempo. Il se fait plaisir. Ouais. Hein, il est devant, il n'a pas eu à frotter. Puis, même si on l'a vu chercher souvent les trajectoires sur les pavés, il s'est dit, bah voilà, j'ai passé à Rambert, maintenant je peux aller le plus loin possible. Et puis il y prend goût. Et ouais. Il ne connaissait pas, il commence à y prendre goût. Puis rappelez-vous, hein, au départ, il a été parfait dans sa façon de prendre l'échappée. Hein. Il a attendu le bon coup. Et puis il a eu pas eu de problème sur sa forme actuelle, le vainqueur de Paris-Nice, à faire le jump. Nils Polite. C'est Nils Polite, le grand coureur allemand de la formation Katusha. Qui anticipe aussi, lui, la bagarre. On sait, hein, souvent que cette transition entre Arambert et LM, c'est l'occasion pour ceux qui se sentent peut-être un petit peu moins bien d'anticiper la bagarre pour aller au moins tenter d'aller jusqu'à Orchi, le prochain secteur pavé qui, à mon sens, hein, rentrera dans un endroit très très stratégique. C'est Orchi. On a l'habitude de dire qu'à Orchi, c'est le moment de prier une dernière fois quand on est coureur. Bon, le train, c'est bon. C'est ici, hein, que le train passage avait, à niveau. Le train avait bloqué. Bon, je crois qu'on est en grève aujourd'hui, non? Il doit y avoir un peu moins de train. Il y avait grève hier, il y aura probablement grève demain, donc ça doit être le cas aujourd'hui. Confirmé, me dit-on, la grève de la SNCF aujourd'hui. On a vu un Mats Pedersen là-bas en train de faire l'effort avant le secteur du pont Gibus et essayer de revenir sur Nils Polite, sur Mike Tönnissen et sur Philippe Gilbert. Nils Polite qui avait été très remuant, hein, dimanche dernier sur le Ronde van Vlaanderen. Il avait pris une belle place à l'arrivée, hein. Il était dans le top 20, il était 17e, Nils Polite. Une belle avance, hein, pour Tönnissen et Gilbert, hein, qui s'entendent bien. Ah, on voit Philippe Gilbert là à l'antenne, hein, qui parle à ses coéquipiers à l'oreillette. Philippe Gilbert, on sait que c'est un coureur, voilà, qui... Voilà, s'il a senti qu'il y avait un petit moment où il fallait sortir, c'était peut-être là le bon moment. Alors qui va rouler maintenant derrière, hein? On sait que les Quick-Step vont protéger, hein, Philippe Gilbert. Nils Polite, lui, il plafonne, hein, devant le peloton. Mais regardez ce peloton, hein, qui se relève. Philippe Gilbert, c'est comme ça qu'il avait remporté le ronde. Là, c'est encore plus loin. Ouais, 87 il était parti bornes. À 50 km. Là, il part à 87 km. On le dit souvent, le plus dur, le problème dans cette équipe, c'est de savoir qui va anticiper. Et là, c'est Philippe Gilbert qui a anticipé. Il n'a pas entendu de voir Niki Terpstra sauter à l'avant de la course. Par contre, ça réduit le champ des possibles. Ça veut dire que derrière, il y a Stibar, il y a Terpstra, peut-être Yves Lampaert. Et on commence à y voir plus clair dans la stratégie Quick-Step. Secteur de pont Gibus passé pour les hommes de tête. Ils ne sont plus que 5, hein, vous voyez Buchtrum, Didier, Wallace, Moukoulis et Robit. Et Robit, hein, qu'on annonçait presque premier à péter maintenant. Il est là. Chapeau. Yves Gilbert dans pont Gibus avec Mike Tönnissen. Pointé à 1,45, hein, de la tête de course. Et Marcus Burgaert qui fait le boulot derrière, qui relance ce peloton. Il étire ce peloton, il n'a pas le choix, hein, le coureur allemand pour Peter Sagan. On ne peut pas laisser un coureur Quick-Step, hein, prendre autant d'avance. Et, d'où la tactique de Philippe Gilbert. On fait travailler maintenant les hommes de Peter Sagan, ses équipiers de la Bora Hansgrohe. Alors qu'on a vu Arnaud Démare bien placé. On va le surveiller, hein, Arnaud Démare. Notre petit joyau, notre champion de France. Mais il y en a d'autres, des chances avec Christophe Laporte, pourquoi pas. Fort, hein, Tönnissen, hein, Jackie. Moi j'avais vraiment mis un gros gros coup de stabilo sur Tönnissen. Franchement, bien positionné sur sa machine, il rebondit très peu, hein, il a dû trouver le bon compromis entre rendement et confort, hein, dans les boyaux.
et attaque de De Buskereux. Jens De Buskereux. Comme quoi, hein, il traînait derrière hein, tout à l'heure, Jens De Buskereux. On anticipe, hein, on sent qu'on n'a peut-être pas forcément la jambe pour suivre si ça se fait à la pédale, donc on anticipe. Il avait failli remporter cette course chez les Espoirs, il était tombé malheureusement sur Taylor Finney, hein, qui l'a remporté deux fois consécutivement. Il est dans le peloton, normalement, Taylor Finney, pas sûr. Ah, on cherchait Dodson Webb et il y a Edward Tuns qui est là au sein du peloton des favoris. Arnaud Démare qui a la lucidité pour aller chercher ce bidon avec derrière lui Oliver Nessen. On redescend un petit peu. C'est Grégory Rast hein, qui est calé dans la roue d'Oliver Nessen, l'un des très expérimentés. 14 Paris-Roubaix terminé pour le Suisse de 38 ans. Il a déjà pris la quatrième place sur Paris-Roubaix. Il faisait partie d'une échappée ce jour-là. On rappelle que De Volder. Langeveld s'est confirmé à quitter la course. On rappelle que Matteo Trentin a abandonné sur chute. On rappelle que Kung ne fait plus partie de ce Paris-Roubaix également. J'ai pas vu Wout van Aert par contre là dans les 30 premières positions là. Le leader hein, de la formation Crelan. Nelson Oliveira, Jürgen Roulands, Magnus Cort Nielsen et Michel Gollaerts. Voilà pour ceux qui ont quitté la course et dont nous sommes sûrs qu'il y en a peut-être d'autres hein. Alors que Mats Pedersen, qui était en train de rouler en tête de peloton, a été victime d'une crevaison là, à la fin du secteur. Ça peut permettre à Tönnissen et Philippe Gilbert de reprendre du temps. Je ne suis pas sûr, parce que ça s'étire devant le peloton et on voit que Nils Polit est en train de revenir. Mais attention, hein, ça écrase. Est-ce qu'il va y avoir un moment de désorganisation là ? Stibar va se mettre devant, lui ne va pas tourner, bien normal. Sagan, il cherche ses équipiers là, regardez là. Eh ouais, on les endort. Alors du coup, on réaccélère. Les Émirats Arabes Unis qui y vont. Parce qu'on a toujours Alexander Christophe et on fait rouler Marco Marcato. Mathieu Eman qui est en troisième position avec Burgaert et Os. Hein. Je pense que là, Sagan, il va peut-être demander hein, à ses deux équipiers de rouler très vite pour aller chercher le prochain secteur et tenter de faire le jump parce qu'on ne peut pas laisser 25, 30, 40 secondes comme ça à Philippe Gilbert. On regardera hein, ce que va faire la formation Poransgro. Ah, le prochain, hein, c'est le secteur du château d'eau, là, le fameux château d'eau. On va traverser, il est très long et très exposé au vent. On a souvent vu par le passé un peloton exploser sur ce long secteur. Ouais, c'est vrai que des fois il y a une première sélection, hein. C'est le secteur de Wandini. C'est le deuxième. Du château d'eau. Après on peut là. On va 3,7 km. C'est l'un des plus longs. Très long, ouais. C'est assez roulant. Mais c'est vrai qu'on peut avoir une première sélection. Ce secteur qui a été emprunté dans sa totalité lors de la cinquième étape du Tour de France 2014, emporté par Lars Boom. Quelle va être la réaction des Bora ? Quelle va être la réaction des BMC ? Il y a deux équipes là qui sont en train de se faire piéger encore une fois par cette formation Quick-Step Floor. Parce que laisser 30-40 secondes à Gilbert, c'est prendre un risque hein, quand même, hein, Jackie, même si on sait que c'est quasi rien. Voilà, De Buskereux. Et Tanguy, notre Tanguy Turgis national, le plus jeune coureur de ce Paris-Roubaix, Tanguy Turgis, l'un des premiers invités de Bistro Vélo également tous les lundis. On retrouvera Jackie lundi à 17h. Arnaud Démare aussi qui anticipe. Et ben pour quelqu'un qui va pas bien, Arnaud Démare, des fois quand on va pas bien, il vaut mieux anticiper. Exactement. Et oui, parce que là, ça canelasse un peu les Quick-Step. Ils endormissaient le peloton, donc on a décidé de réaccélérer. Oui, mais les Quick-Step, on laisse pas partir. Hein. 4 ou 5 coureurs. On va pas laisser partir des marins. Non. C'est Bram Tamkins. Pour la Lotto Jumbo. Avec l'accent de Richard Viron. Parce que Richard est un fan de Bram Tamkins, qu'il a couru avec lui. À l'époque, c'était à la Quick-Step, hein, je crois. Ah, super coureur, Bram Tamkins, vraiment sympa. Hein. Super mec. Ramon Sinkeldam est toujours dans le groupe. Il y a des équipiers tout de même autour d'Arnaud Démare. Stijn Vandenberg qui vient de rentrer, lui aussi victime d'une crevaison, qui vient seulement là de faire la jonction. Et devant les 5 hommes de tête. Continue à virer à gauche, à droite. Et on tient l'écart, 2-0-8. Je crois que c'est Jacopo Guarnieri hein, qui est dans le peloton avec Arnaud Démare et avec Ramon Sinkeldam. Et bientôt 30 secondes hein, pour la paire, pour la triplette Polit, Gilbert, Tönnissen. Alors est-ce que Nils Polit va passer et relayer Philippe Gilbert et Mike Tönnissen ? Telle est la question. Est-ce qu'il est là plutôt en soutien là, de Tony Martin ? C'est pas trop ce que. Et attaque de Van Aert ! Il était là ! Ça bouge ! Wout Van Aert !
le cyclo-crossman, le triple champion du monde qui est en train de bouger alors que Nils Polit est revenu sur Philippe Gilbert et Mike Tennyson. Luke Rowe qui est allé chercher Van Aert. Jackie, Van Aert qui attaque là. Surprenant. Hein. Surprenant. Pourquoi pas. Il a senti peut-être que on était en train de s'endormir. Il n'a plus beaucoup d'équipiers, hein, Wout Van Aert, mais on prend au sérieux. Du côté des adversaires, Luke Rowe dans la roue. Et regardez, Yves Lampaert également vient se coller là pour la Quick-Step Floors. On ne va pas laisser sortir Wout Van Aert. Polit, lui, il ne relaye pas. Hein. Il ne relaye pas du tout Gilbert et Tennyson. Ouais, il faut peut-être le besoin de souffler aussi un peu. Il a fait un bel effort, hein, les bandes dans le vent. Et puis il a Tony Martin derrière. Il n'a pas la mixo celui-là. Comment vous les reconnaissez? Bah, quand t'as la mixomatose, tu cours pas aussi vite. Hein. D'accord. Voilà. Rien à ajouter. Il y a Olivier, notre mémoire, Olivier Perrier, qui nous dit en 92, Duclos Lassalle était parti en contre dans la roue de Jean-Paul Van Poppel dans Arambert. Et on connaît la suite. Donc attention à Philippe Gilbert. Oui, attention à Philippe Gilbert, évidemment. On ne va pas lui laisser 30-40 secondes. On voit des favoris de l'épreuve se dévoiler. Wout Van Aert, par exemple. Le secteur du château, Jackie. Château d'eau, voilà, c'est là-bas. Vous allez les contourner un peu sur la gauche, après vous allez tourner à droite et une longue ligne droite après exposée au vent en général, ça passe. J'ai cru qu'il ne l'avait pas vu. Il a eu chaud le copain. Regardez Tennyson, Gilbert et Polit qui vont reprendre une partie de l'échappée, dont Geoffrey Soupe, du Quénois, Thompson. Philou hein, qui pense bien s'alimenter. Lui il n'est pas superstitieux. Hein. Dossard 13 à l'endroit. Duquesnois, ça n'a rien à voir hein, avec la famille de la vie étant l'enfleuve tranquille. Je ne sais pas si vous rappelez, il y avait les Duquesnois et les Groseilles. Ah, vous êtes meilleur en vélo qu'en 1 hein. Si, bien sûr. Les Duquesnois, les Groseilles. Mais bien sûr, bon. Évidemment. Ça se passait dans le chlore, je crois. Ah, jouer du pipeau, ça, je sais le faire. Hein. Un peloton bien réduit quand même. Hein. On a quoi, une quarantaine encore de coureurs au sein de ce peloton, un peu plus peut-être. Ouais, facile. Hein. Ouais, beaucoup. Hein. Il n'y a pas une grosse sélection tout de même dans la trouée d'Arambert. Hein. Il y a énormément de sprinteurs. On voit encore Christophe Laporte. Nikita Froome même qui protège la foule de Gilbert à l'avant du peloton. Ouais, depuis tout à l'heure, on le voit. Hein. Tepstra, Stibar qui embête un peu le peloton, qui empêche de prendre les relais, qui viennent casser le rythme. Ah, lâcher une fois, lâcher deux fois. Surtout quand c'est Philippe Gilbert, Polit qui arrive, ça va être compliqué là pour Jimmy Duquesnois, un duo de ses 22 ans, lui qui dispute son premier Paris-Roubaix. Allez, Lars Bak à son tour. Hein. On a vu que Jens Buskeren n'était pas parvenu à prendre trop de champs. Eh bien, c'est Lars Bak hein, qui a décidé de sortir à son tour. 38 ans, Lars Bak, 11 Paris-Roubaix terminé, une 5e place déjà il y a quelques années. Allez, ça va bouger, hein, ça va bouger dans ce peloton. On ne peut pas laisser autant de temps d'avance à Philippe Gilbert et à Mike Tennyson. Attention, hein, on pointe Gilbert, mais attention quand même à Tennyson, très costaud depuis le début de saison. Je rappelle hein, ce secteur du Château d'Eau hein, qui fait mal, qui est long. Et on voit Geoffrey Soupin qui essaye de s'accrocher encore aux trois coureurs. Allez, Geoff. Geoff. Allez, on voit d'autres coureurs sortir également. Hey, John Degenkolb, ah, il roule pour Stuyven. Se sacrifie pour Jasper Stuyven. Et De Backer qui est encore là. Hein. Très facile, le coureur de la formation Vital Concept Cycling Club. Jasper Stuyven qui était arrivé hein, dans le deuxième groupe hein, avec Gianni Moscone l'année dernière dans le Vélodrome. Il avait pris la 7e place. Assez dur là pour Owen Doull. Il est revenu tout de même à hein, Owen Doull, tout à l'heure il était lâché. Oui, puis en plus il a roulé hein, tout à l'heure en tête de peloton avant Arambert pour replacer ses leaders. Allez, 20 secondes de retard hein, pour le groupe des favoris sur Philippe Gilbert, Mike Tennyson. Nils Polit.
Duquesnoy qui vient d'être repris par le peloton. Allez, Geoffrey Saume qui s'accroche. Ah, ça, c'est un bon groupe. Hein. C'est le bon groupe à apprendre justement quand on est dans l'échappée, quand on parlait d'anticiper. Après, il faut être capable hein, de regarder la roue de Mike Tennyson, de Philippe Gilbert, de Nils Polit. Alexander Christophe hein, qui s'est replacé aussi, Jackie, pour les sprinters. Alors Arnaud démarre et traînait encore à l'arrière. Hein. Faisait la grimace. Steuven, c'est lui tout seul maintenant. Allez, c'est qui parti. Prend ses responsabilités. Là, ça va faire mal. Accélération de Jasper Steuven. Il y a un coureur de l'équipe Vital. De Backer. C'est Bert De Backer. Hein. Dans la route, Tony Martin également. Alors que derrière, ouais, c'est dur pour Nono. On aimerait bien savoir ce qui se passe, mais un jour sans, apparemment. Ouais, oui. Ça arrive. Pas bien, tout simplement, il est pas bien Arnaud Démare. Ouais, qui avait été mis hors course mercredi dernier sur le Grand Prix de l'Escaut, comme beaucoup de coureurs d'ailleurs. On n'avait pas respecté justement un passage à niveau. Pas faire polémique, mais ça clignotait au moment où il passait. C'est donc, ça, bref. C'est ce qu'il disait. Je voulais bien piler, mais c'était un peu compliqué. On a fait à peine la moitié, un peu plus de la moitié, un peu plus de la moitié des pavés. Et certains en ont déjà plein les bottes, hein, je peux vous le dire. Le démarre est lâché maintenant. Zdeněk Štybar qui était coincé là, qui est en train de faire le jump. Là, regardez sur le bas-côté dans la banquette, Alexander Christophe, lui. Contrairement au début de course, ça y est, là, il est dans le bon tempo, dans l'allure, toujours bien placé. Ça pétouille là. Alors que Peter Sagan, il a encore du monde. Hein. Là, ce sont les costauds qui sont en train de s'isoler. Marcus Burgart est encore là. Daniel Oss est encore là, aux côtés du champion du monde. Qui ne s'affole toujours pas. C'est échappé, il va loin, Jackie. Hein. Elle s'entend toujours bien. Allez, cette relance à droite, là, c'est pareil. Geoffrey Saume hein, qui s'accroche bien. À Tennyson, à Gilbert, à Polit. Regardez, hein. Là, on va bientôt retrouver tous les champions. Ils sont tous là. Hein. Je pense que le vainqueur de Paris-Roubaix, il est à l'image. Et Tuns hein, pour la formation Sunweb aussi, hein, qui est là. Christophe également, qui a eu des galères en début de course, mais qui est là, le champion d'Europe. Le Norvégien ne lâche rien, c'est pas le genre de la maison. Ah, qui c'est qui roule la formation Sky là? C'est un Sky hein, qui accélère, peut-être Yann Stannard. Non, je crois pas que ce soit Stannard, je l'ai vu un peu plus loin là. Un quatrième monument pour Philippe Gilbert peut-être. On a vu le dessin de Dadou, lui qui a déjà remporté le Tour de Lombardie à deux reprises, Liège-Bastogne-Liège et le Tour des Flandres. S'il en remporte un cinquième, bah, il va égaler un garçon qu'on connaît bien à Rosport, Sean Kelly. Un quatrième, je veux dire. Ça serait son cinquième monument, mais le quatrième différent pour Philippe Gilbert. Ça va rentrer hein, sur Gilbert, sur Polit, sur Tennyson. C'est Burgard qui accélère avec Tony Martin, De Backer, Steuven. Alors qu'on nous annonce 1 minute 15 de retard pour le groupe Philippe Gilbert sur la tête de course avec Marc Soler notamment. Bizarre de voir Burgard partir sans Sagan. Petite accélération. Oh, très très fort hein, Marcus Burgard quand même, hein, en équipier de luxe. Ah, Tony, quel bidon. Attention, ça accélère. Et attaque de Drucker derrière. Pour la BMC, Jampi Drucker. J'ai l'impression que, on verra hein, tout à l'heure, mais Greg Van Avermaet est quand même à chaque fois à contre-temps. Est-ce que justement on ne laisse pas partir maintenant les seconds couteaux avec Jampi Drucker? Ah, Greg Van Avermaet, il connaît la course. Il court bien très, là. Il est très intelligent, au contraire, on ne le voit pas du tout. Hein. Il a assez bien joué, il y a un coureur de l'équipe Quick-Step. Et voilà, c'était mieux d'avoir un coureur de l'équipe BMC avec. Et lorsqu'il y avait qu'une dizaine de secondes, eh bien, Drucker a fait le jump et ne va pas rouler dans un premier temps, je pense, avec Philippe Gilbert. Et un de plus dans le groupe Philippe Gilbert, avec Nils Polit, avec Geoffrey Saume, avec Mike Tennyson et avec, bien entendu, celui qui était dans l'échappée tout à l'heure, Gatis Moukoulis, le Letton. De l'équipe Delco Marseille Provence KTM. Comme Yves Lampart, Jackie, hein, qui lui aussi hein, commence à pointer le bout de son nez. On va voir les équipiers modèles de luxe tenter d'anticiper. Ils ne sont plus que 4 hein, devant. Mais ça tient pour Sylvain Dillier. C'est 3 équipiers d'échappée. Parce qu'ils sont équipiers hein, quand on est dans la même galère comme ça avec Robit, avec Yellow Wallace.
Et avec Bustrøm, le Norvégien, l'autre Norvégien de l'équipe des Émirats Arabes Unis. Ah, c'est jamais bon signe lorsque vous avez la voiture rouge qui vous double. Ça veut dire que l'écart est en train de se réduire. Marc Soler ne prend pas de relais. Voilà, il pourrait, on est sur du goudron. Ouais, mais ça grimpe pas. Pas assez. Attention, là, les... Déborah ? Non, les... Allez, Déborah. Ouais, avec Danielos. On fait rouler Danielos qui est tombé. Danielos qui a eu des problèmes mécaniques. Danielos qui avait fait une passe dans les pieds l'année dernière pour Greg Van Avermaet. Est-ce qu'il va faire une passe dans les pieds pour Peter Sagan aujourd'hui ? Il reste encore 65 km. Hein. 65 km. On va aller chercher Orchi. 1,7 km. Le pavé du chemin des abattoirs. Abattoirs, ouais. Avec ce premier virage sur la droite là, qui est très, très technique. Avant d'attaquer le secteur, on a parfois de temps en temps hein, des petits accrochages. On rentre hein, dans cette zone commerciale, Jackie, avec un pif-paf droite-gauche. Avant d'aller chercher ce fameux virage droite qu'on prend quasiment à l'arrêt. Hein. Aïe, ça y est. Fini, Marc Soler, panne de jambe. Alors que Zdeněk Stibar, lui, ne va pas tarder à rentrer dans Orchi. Et on y rentre par le chemin des prières. D'où l'expression, hein, Orchi, fais ta dernière prière. Premier passage, c'était en 1980. Et depuis, il a toujours fait partie du trajet de la course. Et regardez, hein, c'est quand même beaucoup assez gras au milieu, sur les côtés. Dans une forêt, hein, Jackie, hein, ouais. Tu l'as dit, hein, lorsque le c'est le pas très large. N'est pas à découvert, et ben le vent sèche beaucoup moins. 14, on est sur le secteur 14. Donc, alors, on n'est pas en Orchi, on est à Beuvry-la-Forêt, ouais, le secteur d'Orchi, ouais, ça sera après. Après, ouais. Là, on est plutôt sur un pavé très irrégulier. Les coureurs doivent faire très très attention et on le voit, ça va favoriser hein, Zdeněk Stibar. Zdeněk Stibar, là, il est quand même un petit peu dans une situation délicate. Ce qui creuse, ok, il a 20 secondes, mais maintenant il est tout seul. C'est vrai que ce pavé a été construit spécialement pour Paris-Roubaix, c'est le pavé Marc Madio. Et Tony Martin qui imprime le tempo. Vandenberg également. Deux coureurs hein, pour la Lotto Jumbo, certainement Tanking et Rossen. Regardez, Zdeněk Stibar, l'artiste hein, qui coupe chaque virage. Marc Soler qui va être récupéré, Stijn Vandenberg à l'avant du peloton. Ah, maintenant, l'objectif pour Soler, c'est peut-être d'essayer de terminer l'épreuve. Je crois que. Dans les délais. Il a envie. Ouais, même. Il a envie de le terminer, quoi. Ouais, là, il est repris seulement par le peloton à 63 km de l'arrivée. Je pense qu'il a un peu de marge. Hein. Il y a du monde derrière ce peloton. Oh, oui, mais vous savez, sur les pavés, c'est comme dans un col. Hein. Quand vous êtes cuit, vous pouvez perdre 20 à 25 minutes en 60 bornes. Ouais, mais ceux qui sont derrière, à mon avis, ne sont pas en super état non plus. Hein. On dit rien. Il est là. Hop. Ah, ouais. Commence à perdre un petit peu de lucidité. Problème pour Yves Lampaert, l'équipier de Zdeněk Stibar. Problème mécanique à l'instant pour Yves Lampaert. Greg Van Avermaet est là. Avec un Sepp Van Marck qui pour l'instant court à la perfection. Il a eu des petits problèmes comme d'habitude en début de course. Problème mécanique. On a réglé la tige de sel, mais là ça va. Pour le coureur en rose. Hein. C'est le couleur de l'équipe Education First. Quelle course hein, quand même pour Yere Wallace. Et Dillier devait bien pas être là. C'est vrai. Dillier qui est revenu à la Ruta Deli, revenu de blessure. Il a remporté la Ruta Deli. Il y a pas mal de blessures en ce moment dans l'effectif des Terres et Ciel. Et donc il a eu son ticket pour l'enfer. Le Zdeněk Stibar là qui commence à se poser la question, qu'est-ce qu'on fait là? Ouais, parce qu'il rentre pas. Il reste à 44 secondes là. Il n'arrive pas à rentrer. Non, il a 20 secondes. Non, il a moins de 20 secondes hein, maintenant. Ah oui, c'est l'écart par rapport au groupe 3, par rapport à Tony Martin. Il a 20 secondes par rapport à la tête de course et 20 secondes également d'avance sur ce peloton emmené toujours par Tony Martin. C'est en train d'exploser, hein, Jackie. Pour l'impulsion hein, du coureur allemand de cette formation Katusha. Olivier Nessen en difficulté maintenant. Crevaison, je pense crevaison. Hein. Ouais, crevaison de la roue arrière. Ah, il a eu un problème tout à l'heure. Hein. Tony Galopin lui avait tendu une roue. Et on va pas attendre hein, Stijn Vandenberg, il est trop bien placé. Ah, mais là, on lui a dit tout de suite dans l'oreillette, donc il arrête de rouler, Stijn Vandenberg. Ouais, on lui a dit là, on va lui dire. On rappelle hein, que lorsque vous êtes équipier, vous n'avez pas le droit de faire demi-tour. Ah.
Zdeněk Štybar qu'on devrait apercevoir bientôt là. Petite vingtaine de secondes là des trois hommes de tête qui n'oublient pas hein, de se ravitailler. Zdeněk Štybar. Vous avez vu hein, le dernier secteur pavé a été fatal hein, à Ludovic Lobit. Il a été décramponné. Il va peut-être revenir dans la roue de Zdeněk Štybar. Essayer de prendre la roue de Zdeněk pour s'accrocher un petit peu. Je crois qu'il est complètement. Ah, il est peut-être juste devant Lobit effectivement. Et ça sort derrière encore avec Dalios. Reste un peu avec lui. Lars Back. Hey, Peter Sagan qui voudrait bien voir Oz faire le jump, il en profite là derrière la moto pour obliger les autres à rouler. Parce que lui, s'il a Oz devant, il dit bah écoutez, moi j'ai Oz, il sait faire. Hein. Si vous voulez pas gagner les favoris, on va laisser gagner les Grégory. Enfin, Štybar, c'est pas un Grégory. Hein. Je pense qu'il faut le prendre au sérieux. Ah, mais je vous ai pas dit le contraire, je parlais de Dani Oz. Ah. J'étais tellement concentré dans ma course là que. Sur Sinkeldam hein, pour la FDJ, on avait également Guarnieri, toujours aux avant-postes. On a encore pas mal de coureurs. Hein. Il me semble que c'est Olivier Legac hein, qui est également là. Non, c'est Marc Sarro, pardon. Ah oui, Marc ouais. Sarro qui a fait l'effort tout à l'heure pour ramener Arnaud Démare. Ah joli, Marc Sarro qui est en train de réaliser ouais. Un très très grand Paris-Roubaix. Allez, Lars Back qui nous en met une petite couche. Il a tenté hein, tout à l'heure, après à Rambert. Ah, ça va étirer, ça va étirer tout le monde. Il y en a qui vient de mieux en mieux, je ne sais pas si vous l'avez vu, le champion d'Europe. Il était un petit peu dur au début de la course, on sait hein, qu'il est en recherche de vitesse, stoppé dans sa progression par des maladies, par des chutes. Mais Alexander Kristoff est montant sur cette édition de Paris-Roubaix, l'ancien vainqueur du Ronde van Vlaanderen. C'était en 2016. C'est le premier des favoris à avoir connu des incidents hein, quasiment dans les premiers secteurs pavés. Mais voilà, il ne s'est jamais vraiment affolé. Il est revenu et progressivement, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il se retrouve dans les premières positions du peloton. Koen De Cort, encore un gros travail pour l'équipier hollandais. Petite formation Trek Segafredo. On arrive hein, au rond-point de Horchy avec le fast-food à droite, le pif-paf. Et aller chercher ce fameux secteur et ce virage droit bien dangereux. À Horchy, ouais, et Tanguy Turgis qui était là aussi, qui était dernier du peloton, là le jeune Tanguy. Le plus jeune, 19 ans, il fêtera ses 20 ans le 16 mai prochain, Tanguy. Bravo, chapeau hein, pour Tanguy. Adrien Petit là, qui pointe aussi le bout de son nez, il faut se replacer, Adrien. Il aime cette course, Tanguy Turgis, il a pris la troisième place hein, de l'Enfer du Nord en junior. On nous dit Poissard Nessel hein, sur le hashtag les RP, Claudio qui nous parle de ça. Blair, on se rappelle l'année dernière au Ronde, la chute, on se rappelle aussi la semaine dernière. Au Ronde, il n'a pas été épargné par les chutes. Un Ronde de Van Vlaanderen qui ne l'a failli d'ailleurs pas disputer. Hein. On avait fait un dernier test 48 heures avant parce qu'il y avait eu une chute également dans la semaine. Oui, à travers la Flandre, c'est la deuxième grosse crevaison pour Nassen. Il avait déjà été victime de crevaison à 135 km de l'arrivée. C'était pas trop grave à 135, mais là, 65 avant le pavé d'Orchy. C'est sûr que c'est pas terrible. Voilà, on va tourner là-bas, au bout à droite, et on va aller chercher le secteur pavé. En passant par le chemin des prières. C'est celui-là. C'est celui-là. Premier passage en 1980. Allez, Marc. Et Marc. Nessen et Marc Soler. Un petit coup de fatigue. Et secteur ouais. 13. C'est parti, virage droite, et on rentre sur le pavé. Particularité d'être en L, hein, ce secteur pavé. Oui, ça remonte après, hein, sur la fin du secteur. C'est en léger faux plat montant. On va voir un kilomètre comme ça, tout droit. Puis le virage. Et effectivement, les 600 derniers mètres sont en faux plat. Descendant, par contre, les 600 derniers mètres. Ça dépend dans quel sens on le prend. Ça dépend si vous le prenez sur le Tour de France. C'est ce qui avait été fait. On l'avait pris dans l'autre sens en 2004, ce secteur pavé sur le Tour de France. Allez, Štybar repris à l'entrée d'Orchy par Marcus Burghardt. Et pour l'instant, Peter Sagan contrôle tout grâce à Marcus Burghardt. Une grosse accélération là de Marcus Burghardt. Bon, on parlait de Michel Gollard. On a des indications, hein, des informations qu'on a recoupées. Ce qu'on peut vous dire, c'est que Michel Gollard a été victime d'un arrêt cardiaque. Il a été transporté assez rapidement et apparemment il a été réanimé, Michel Gollard, l'équipier de Wout Van Aert.
Il a été transporté ensuite à l'hôpital, arrêt cardiaque et réanimé. On va s'en tenir là. Allez, Orchi, hein, il faut s'accrocher. Hein. Et Yves Lampart qui va rentrer. Après sa crevaison. Ouh, il est bien, Yves Lampart. Oui, il est bien. L'un des deux seuls Belges à avoir remporté une classique d'un jour, une classique World Tour cette année. C'est pas Laporte, hein, qui vitait une crevaison. Aïe, crevaison au plus mauvais moment là pour Christophe Laporte. Il avait tout bien fait. Le sudiste, Christophe Laporte. Ah, il faut continuer à rouler. Ouais, il faut rouler, comme Arnaud Démare tout à l'heure. Espérant avoir un mécanicien là, de la Cofidis. Il y a qu'à taper le groupe FDJ, là, ça passait à gauche. Ou pas mal, FDJ. Ouais, Sylvain Dillier, chapeau messieurs, ils sont encore devant. 35 secondes d'avance pour Dillier, pour Wallace et pour Bühlström. Ah, on nous posait la question, hein. C'est vrai qu'il y avait quand même un écart de 8 minutes avant le premier secteur. Mais ça ne suffit pas, hein, 8 minutes évidemment pour rejoindre la ligne. Après, des coureurs comme Yellow Wallace peuvent pourquoi pas essayer d'accrocher le wagon derrière. Allez, on sort de ce secteur 13 là pour les hommes de tête. Et le peloton là qu'on aperçoit. Bah, ça revient vite maintenant. Donc Marcus Burgard en tête. Au plat descendant. Ouais, toujours Marcus Burgard avec Le Crow. Et De Backer est toujours là également. Attention, hein, lui, il court à la perfection. Bert De Backer, hein, toujours dans les roulettes. Troisième, quatrième position dans le groupe des favoris. Le coureur de l'équipe Vital Concept Cycling Club. Bah oui, il n'a qu'une chose à faire, hein, se faire oublier. C'est l'une des rares fois où il va se retrouver au départ d'un Paris-Roubaix dans une position de leader. Lorsque John Degenkolb avait remporté Paris-Roubaix, il lui devait une partie de sa victoire. Il avait fait un gros travail pour l'Allemand. Raté. Réussi. Allez, toujours du monde, hein, quand même. Plus de 40 coureurs. Il reste encore 57 bornes, hein, quand même, ça va. Allez, Jens Buskereux qui va nous en remettre une. Une petite là. Paf. Deuxième attaque de l'ancien de. C'est-à-dire l'ancien champion de Belgique, mais non, hein, Jens Buskereux. Si, si, il a été champion de Belgique. Il n'a pas les liserés, mais il a été champion de Belgique. C'est pour ça que j'ai douté. J'ai relevé la tête, tiens, il n'a pas mis les liserés. Allez, Tony Martin y va, Stijn Vandenberg y va, alors que Luc Durbridge, l'un des leaders de la formation Mitchelton, a été victime d'une crevaison. On se souvient que sur le pavé d'Abel, lui, Matteo Trentin avait été contraint à l'abandon suite à une chute. Et c'est encore Marcus Burgard qui fait le travail derrière. Avec Tony Sen, hein, également, qui s'était relevé tout à l'heure. Hein, après son échappée, Philippe Gilbert. Juste après Arambert qui se replace et Tanguy Turgis qui s'accroche. Avec les dents, il s'accroche, la Tanguy Turgis. Devant lui, il y a Guarnieri et Sinkeldam. Il est à fond, mais là, il faut lui dire replace-toi, gamin. 19 piges, hein. 19 ans seulement, ah, Tanguy. C'est top. Le dernier, la fratrie. Anthony, Jimmy, Tanguy. Salut la maman et Rémi, le papa. Il y a du direct énergie encore dans ce groupe. Adrien Petit, je ne sais pas si Damien Godin qui a été mis en difficulté avant le ravitaillement est revenu, je ne suis pas sûr. Hein. Et on discute et on se rapproche de Monsant Pével. Et attaque de Van Avermaet peut-être. Ouais, hein, il attaque Van Avermaet là. Ouais, attaque de Van Avermaet. Ah bah Terp sera directement dans la roue. Attention, là ça peut faire très très mal. Deux anciens vainqueurs qui s'élancent, le tenant du titre, Greg Van Avermaet. Et celui qui a remporté dimanche dernier le Tour des Flandres, Nicky Terpstra. On ne s'attendait pas forcément à une attaque à ce moment de la course, à 55 km de l'arrivée. On n'est pas sûr du pavé. En tout cas, on a été vigilant du côté de la Quick Step. Terpstra directement dans la roue. Et on se disait, hein, Jackie, hein, que Van Avermaet, pour l'instant, il avait couru, mais à la perfection. Ah, c'est un petit test. Si je découvre là. Ouais, juste pour tester peut-être. C'est bon, j'ai la bonne patte. Allez, attaque de Tony Martin. Oui. Suivi par Gilbert. Il faut le suivre, hein. C'est sûr, si on arrive à prendre 20 ou 30 secondes, ça peut aller loin avec un Tony Martin. Tony Martin, il a raison, même si c'est un coureur. Regardez, Sagan a bougé. Sagan a bougé également. Et il se relève, Sagan. Qu'est-ce qu'il court bien. Juste assez pour exciter tout le monde. Et une fois que ça relance, allez, je passe dans les rouleaux. Ça, c'est fait. On les a contrôlés. Et ça m'a pris 3 coups de pédale. Et Alexander Christophe
qui est là, qui s'accroche, ça va refreiner, tout le monde va rentrer. 28 secondes, est-ce qu'on va voir l'écart remonter? Pas dit. Allez, on va encore anticiper. Hein. Certains coureurs vont tenter d'anticiper peut-être Nicky Terpstra. Non, oui. On va se mettre là pour aller chercher encore des bidons. On ne sait pas hein, si Christophe Laporte est rentré. Nouvelle attaque de Greg Van Avermaet. Oh, il est costaud. Hein. Van Avermaet, il est très costaud. C'est Wout Van Aert qui va le chercher. Il veut gagner avec la manière, peut-être. Greg Van Avermaet avec Van Aert, avec Burgaert. Avec Moscon. S'il se sentait si fort que ça, Greg Van Avermaet, vous pensez Jackie qu'il est deux cacahuètes comme ça là à 55 km de l'arrivée? Je crois qu'il est dans une position où il n'y a plus beaucoup d'équipiers, il y a beaucoup de Bora Hansgrohe, il y a beaucoup de quick step et il veut esseler tous ses coureurs. Sinon il risque d'être attaqué de toutes parts. Donc avant d'être attaqué, il veut créer peut-être un petit groupe avec au moins un Bora, avec au moins un quick step. On rappelle que devant il y a toujours Didier Buchtom et Wallace. On va peut-être faire un petit peu un point. Coco, tu me fous tous les trois. Ouais, c'est un peu ça. C'est un attaque peu ça. De Sagan. Regardez, voilà, vous demandez l'attaque de Sagan en direct à 54 km de l'arrivée. Et là, qui va y aller? Burgaert long, forcément. Van Aert en envie. C'est au quick step hein, d'y aller. Hein. C'est au quick step de réagir. Il y a son équipier, il y a deux équipiers dans ce groupe. Il y a Oss et Burgaert, il y a Greg Van Avermaet, il y a Jim Pedriker, il y a Philippe Gilbert, Yves Lampaert, Zdeněk Stibar, Nicky Terpstra, Edouard Van Boisselagen. Il y a Tony Martin, Sepp Van Marck, Taylor Finney, Mathieu Breschel, Marc Sarro, Stijn Vandenberg, Jan Stannard, De Backer, Turgis, Mike Tennyson, Lars Bak, De Busquereux, Godin et Petit dans le groupe des favoris. C'est au quick step, hein. C'est au quick step d'y aller maintenant. Tout à l'heure, c'était eux qui avaient un coup d'avance. On se demandait hein, pourquoi ils étaient aussi passifs, les Bora Hansgrohe. On laisse partir et Sagan. Finalement, ah, il reste 53 bornes encore, hein. C'est encore long. Mais là, on n'a pas le choix. Hein. Formation quick step doit réagir. Wilfried Peters n'a pas trop tergiversé dans la bagnole, à mon avis. Pour l'instant, on ne s'affole pas. Ah, on va s'affoler sur le secteur là. On va pas laisser Peter Sagan s'envoler. Secteur de Bercé. Là, il fait mal aussi celui-là. Ça n'arrête pas de monter. C'est souvent hein, dans ce secteur qu'on assiste à des attaques de favoris, Jackie. Ah oui, oui. Allez, ça discute. Ah, puis Burgaert, là, lui, il a la fuir. Ouh, derrière, on se regarde un peu. Attention, parce que juste après, c'est Monsant PVL. Faut pas laisser Sagan dans des secteurs pavés. Il peut vous faire une démonstration. Bon, alors qu'Oliver Nassen vient de revenir après sa crevaison sur le peloton des favoris. Est-ce qu'on a vu si Christophe Laporte était rentré dans ce groupe suite à sa crevaison? C'est moins sûr. Allez, John Degenkolb qui se met au service de Jasper Stuyven. Comme il l'avait fait déjà tout à l'heure, l'ancien vainqueur. Et imaginez, comme équipier, vous avez un ancien vainqueur de Paris-Roubaix. C'est pas mal, non? Pas trop le droit de se louper le copain. 54 km de l'arrivée, Sagan qui sort, ça rappelle Hatché un autre garçon qui s'était imposé comme ça en partant au même endroit, en tout cas à 54 km de l'arrivée, André Schmil. Il a fini, on ne sait plus André Schmil la nationalité, on se posait la question. Il a fini belge. Mais lorsqu'il avait gagné, il est moldave ou russe ou... Sans marin, non. Non, il n'a pas eu ça. Monégasque, il n'a pas fait. Allez, Bistrom qui reste dans le sillage de Yellow Wallace. Il est à 10 secondes derrière Peter Sagan. On a l'impression qu'il est à l'entraînement. C'est mais, ça. Mais ça avance. Le triple champion du monde qui n'a qu'un monument pour l'instant à son palmarès. Le Ronde van Vlaanderen, le Tour des Flandres. Il avait choisi son édition. C'était la centième. Il est surpris, hein. Il se retourne. On voit que c'est toujours Degenkolb avec Wout Van Aert là. Derrière, qui tente de sortir seul. Ah, Van Avermaet a déclenché hein, les hostilités. Il a attisé tout le monde. Il a énervé un petit peu les leaders. Et boum, Sagan l'a contré. Le champion du monde est en train de rentrer sur les hommes de tête. Lui qui peut être le sixième champion du monde à remporter l'enfer du Nord. Pour l'instant, il court après le diable. Avant lui, Rick Van Looy l'avait fait en 61 et 62, Eddy Merckx en 68, Francesco Moser en 78, et puis le dernier,
bien, c'était bien sûr Bernard Hinault en 1981. On se rappellera qu'il avait déjà ce maillot de champion du monde lorsqu'il avait remporté la 100e édition du Ronde. On l'a vu, hein, après le travail de Degenkolb, c'est son leader Jasper Stuyven qui vient de sortir en compagnie de Wout Van Aert à la poursuite donc de ses quatre coureurs, parce qu'il est désormais, ils sont quatre à ouvrir ce Paris-Roubaix 2018. Et un petit break de 30 secondes maintenant pour Peter Sagan. On a l'impression qu'il n'arrive pas à rentrer là, Peter Sagan. Si, 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 vous inquiétez pas. Je ne suis pas inquiet, Jackie. Je suis vraiment pas inquiet. Je vous parle d'une impression visuelle par rapport au jump qu'il a fait. On sent même qu'il prend son temps pour rentrer maintenant. Stuyven qui sort. Stuyven et Van Aert. Carrément, Stuyven et Van Aert maintenant. Là, et derrière, ça fait mal. Hein. Ça fait très très mal. Ouais, ça fait mal à Lars Bak. Ça fait mal à Frédéric Frison également. Ah, il va y avoir encore une relance à droite là. Virage gauche. Et un petit peu plus loin, à nouveau un virage droite. Wallace, Buchström, Dillier, Sagan. Voilà, regardez, virage à nouveau à droite. Très glissant hein, sur petit gravier. Hop là. Et Sagan qui peut profiter hein, de la fin de ce secteur pavé. Allez Wout, un gauche, un droite, il aime ça, hein, les virages. Ouais, c'est là qu'il fait la différence, hein. On le voit par rapport à Jasper Stuyven. Dès que ça tourne, il a le sens des trajectoires et c'est Greg Van Avermaet derrière qui est obligé de faire l'effort. Ouais, avec deux coureurs de l'Education First, hein, Taylor Finney qui accompagne toujours cette bande marque. Matthew Heyman qui est toujours là. Le doyen Matthew Heyman, vainqueur en 2016. 40 ans le 20 avril prochain. Problème pour Turgis apparemment. Oh non, Turgis distancé, on nous a annoncé une crevaison aussi pour un autre coureur. Voilà, il peut souffler un petit coup là, Peter Sagan. Ouais, il préfère avoir un coup d'avance parce que là physiquement il est capable de les flinguer, mais non, il attend. Ah, il nous a fait un petit cinéma, la bouche grande ouverte là, Peter Sagan. J'ai tout mis. Allez, Van Aert va peut-être rentrer, lui aussi en compagnie, on le rappelle, de Jasper Stuyven. Et c'est Van Avermaet qui est dans l'obligation de faire les efforts. Pour l'instant, l'équipe Quick-Step Floors, on ne les voit pas trop. Ils ont longtemps eu un coup d'avance, hein, l'équipe Quick-Step, avec l'attaque de Gilbert après à Rambert, l'attaque de Stibar quelques kilomètres plus loin. Mais pour l'instant, on ne les voit plus. Parce que là, ce ne sont plus des seconds couteaux. Ce sont des favoris qui sont sortis. Monsant Pevel dans moins de 2 km maintenant. Monsant Pevel, c'est 3 km, c'est un secteur clé. Une fin montante pour les hommes forts. Ah, et en plus, on roule avec Peter Sagan. Donc bah voilà, hein, il a trouvé un petit trio sympa. Est-ce que Bergström, lui, va rouler? Je ne crois pas. Yellow Wallace. Pas non plus, il y a juste Dillier hein, qui prend leur lait du chapeau du monde. Ouais, là il est en train de regarder, il est certainement au courant hein, que derrière on est sorti. Préfère avoir un coup d'avance et pouvoir calculer sa course en fonction des coureurs qui sont sortis. Et c'est pas mal joué parce qu'il a fait beaucoup travailler Marcus Burgaert, il a fait beaucoup travailler Dani Os. Peut-être qu'ils étaient épuisés. En sortant comme ça, il va se battre avec les autres favoris qui n'auront plus d'équipiers également. On y arrive à Monsant Pevel. Rappelez-vous 2008, l'attaque de Stijn de Volder dans ce secteur qui avait permis hein, la victoire finale de son équipier de l'époque. C'était Tom Bonnen. Ah bah c'est l'un des plus pourris. Hein. Qui est Tom Bonnen? Le secteur. Vous m'avez compris, ouais. Le secteur pavé, bien sûr, qui a été emprunté pour la première fois en 1978. Allez, Van Aert, Stuyven pointé à 15 secondes et le groupe des autres favoris à 30 secondes désormais de Peter Sagan. Taylor Finney qui est en train d'accélérer derrière et sortir seul du peloton des favoris maintenant. Celui qui a remporté la course à deux reprises chez les Espoirs, Taylor Finney, de l'équipe Education First, bien on sûr. On le voit, et c'est Stijn Vandenberg aussi hein, qui va le chercher, en tout cas enterrement hein, derrière. Pas de quick step qui prend la course en main. On attend. On attend peut-être Monsant Pevel hein, pour essayer de tout faire péter. Mais qui chez... Quickstep est capable de tout faire péter. Stibar était costaud, mais il a gaspillé des forces. Philippe Gilbert, lui aussi, a gaspillé un peu des cartouches après Rambert. Est-ce que des Yves Lampaert sont capables? Est-ce que des Niki Terpstra sont capables? On va voir la réponse assez rapidement. En tout cas, c'est Yves Lampaert là, qui roule. Burgaert, il se met devant. Il fait coucou à sa mère. Coucou maman, je suis encore là. Moi, je suis encore là et on a mis sa gueule devant.
Allez, on va reprendre cette grande route, mais on ne va pas y rester longtemps. Et on va tourner sur la gauche pour aller chercher le secteur de Mont-Saint-Pével. C'est moi où l'écart augmente ? Il y avait 30 secondes, nous annonce 40 secondes maintenant pour le groupe Sagan. Alors, bien sûr que ça augmente. Il y a seuls ces deux coureurs qui sont capables, là, dans Mont-Saint-Pével, de faire le jump et de rentrer sur Peter Sagan. 17 secondes, 18 secondes entre Stuyven et Wout Van Aert. 42 secondes, le peloton. Bon, les Quick-Step n'ont plus trop le choix maintenant dans Mont-Saint-Pével. Ah, ça y est, Mont-Saint-Pével pour Peter Sagan, Sylvain Dillier, Buchström et Yellow Wallace. Ah, c'est surprenant de ne pas voir Peter Sagan aborder ce secteur en tête. Non, je crois qu'il attend Stuyven et Wout Van Aert. Il a trouvé trois équipiers de luxe. Hein. Regardez, il a repris encore 4 secondes au groupe Greg Van Avermaet. Ah, il va falloir quand même essayer de s'employer et de s'employer pour rentrer. Chute d'Alexander Christophe à l'instant et dans sa route sont d'autres coureurs qui sont tombés. Tony Martin qui est tombé, le voici au sol. Et il m'a semblé voir un Sky également. Ah, c'est ah, Lucro également, je pense que c'est Lucro. Eh ouais, c'est un écart de c'est Philippe Gilbert qui. Je crois que c'est Terpstra qui a fait une vague et derrière Martin, Christophe, out. Juste avant de rentrer dans Mont-Saint-Pével, ça va être compliqué de revenir maintenant. C'est Pistien l'épaule direct, hein. Oh, une selle qui a volé. Ah, lui aussi, hein, on rappelle, il avait été victime d'incident, mais on le sentait en grande condition. Ben voilà. C'est dur pour Sven-Erik Buchström parce que Peter Sagan est en train d'accélérer maintenant dans Mont-Saint-Pével. On a dû lui dire tout de suite, Jackie, dans l'oreillette, chute dans le peloton, peloton des favoris. Ah, il y a eu chute parce que les Quick-Step étaient en train de mettre en route juste avant de tourner à gauche et d'aller chercher Mont-Saint-Pével. Il reste encore une quinzaine de kilomètres de pavé avant l'arrivée. Et regarde, là, toujours Peter Sagan, où est placé Stuyven, où est également Wout Van Aert. Et on rappelle que Taylor Finney est sorti également en contre. Le fils de l'ancien double vainqueur d'étape sur le Tour de France, Davis Finney, et de Connie Carpenter Finney, qui elle s'était illustrée également en devenant championne olympique, qui avait commencé par le patinage de vitesse. Elle avait remporté la course en ligne lors des JO en 1984, la maman de Taylor Finney. Ils sont à 25 secondes, Van Aert et Stuyven, 25 secondes du temps sur Sagan. Ils perdent du temps, ils sont à deux, ils perdent du temps. Et derrière, ça ne bouge pas. Hein. Les Quick-Step, ils ne bougent pas. Les Quick-Step sont pris pour l'instant parce qu'on aperçoit un coureur de l'équipe Lotto Jumbo. C'est Janssen, le Norvégien, qui fait le train. On est en train de laisser partir Peter Sagan. Moscon et Boissenhagen qui étaient gênés par la chute là, de Christophe, de Martin qui rentre seulement. Ah, les Sky n'ont pas été épargnés par les chutes aujourd'hui. Chute, crevaison. On rappelle que Geraint Thomas a abandonné sur chute. Moscon était tombé tout à l'heure. Le forcing de Peter Sagan. Sylvain Dillier arrive à suivre. C'est plus compliqué pour Yellow Wallace. Magnifique Wout Van Aert. Ils perdent du temps, pourtant ils perdent du temps avec Stuyven à deux. Wout Van Aert et Jasper Stuyven, les deux flamands. J'ai pris ma stat cyclocrossman pour vous. Ah. La dernière fois qu'un champion du monde de cyclocross a remporté Paris-Roubaix, c'était en 1975. C'était un gitan, Roger De Vlaminck. Il n'était pas forcément le spécialiste du cyclocross dans la famille. C'était Eric, son frère, qui avait été 6 fois champion du monde, lui, de cyclocross. Quelle course de Dillier et de Wallace. Oui, parce que là, il y a quand même une belle accélération du champion du monde. On le voit, parce que derrière, Wout Van Aert et Jesper Stuyven ne reprennent rien. Non seulement ils ne reprennent rien, mais ils perdent même du temps sur le trio de tête. Attention, réaction des Quick-Step dans le peloton apparemment. Terpstra a pris les choses en main. Il fallait le prendre parce qu'il y avait quand même pas loin d'une minute de retard pour le groupe. Et ça, regardez, Edvald Boissenhagen, il a perdu un petit peu de temps. Il croyait rentrer, sauf que devant, eh bien on réaccélère. Et tout de suite, tout le monde en ficelle. Et lui qui est là, dans la caillasse. Taylor Finney.
avec Stijn Vandenberg. Et Terpstra, ça y est, la machine est en route. Sepp van Marke calé dans la roue. C'est Greg, parti. Greg Van Avermaet, voilà, la guerre des seigneurs commence maintenant. La à chasse 45. À Sagan est déclarée. Avec Philippe Gilbert également, hein, qui est arrivé à accrocher. Peter Sagan qui va sortir de Mont-Saint-Pébel. Direction Avelin maintenant. C'est le traditionnel secteur de transition hein, entre Mont-Saint-Pébel et Pont-Thibault. C'est assez court Avelin, 700 mètres seulement. On appelle également ce secteur le pavé de la Rosée. Et De Backer également. Oh, oh, c'est bien, bien, c'est très très bien ce qu'il fait Bernd De Backer pour l'équipe Vital Concept Cycling Club. La seule équipe française hein, représentée à l'avant avec l'équipe AG2R la mondiale grâce à Stijn Vandenberg. Ah, et puis là, qu'on soit dans la position de Vandenberg, qu'on soit dans la position de De Backer, on doit laisser faire. Il y a deux Education First, il y a deux Quickstep Floors avec Terpstra, avec Gilbert. Il y a Finet et Van Marke pour l'équipe américaine. Et là, on reprend du temps. 41 secondes de retard sur le groupe Peter Sagan. Le groupe Stuyven Wout Van Aert qui va maintenant éjecter Buchström. Il ne va pas pouvoir s'accrocher le Norvégien. Et là, ça monte, hein, Jackie. Là, ce faux plat est très très long, très très dur. Bernd De Backer qui est en train de craquer. Aïe, aïe, aïe. La relance, elle est terrible. Et puis là, ça va monter. Hein. À la sortie de ce secteur, vous avez un léger faux plat montant. À moins que De Backer ait été victime d'une petite crevaison. McTennison est pris derrière. Aïe, 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 dommage. Parce que là, pour boucher ces 15 secondes, je peux vous dire que c'est la galère. Oh, Philippe Gilbert, il a besoin de souffler aussi. Ouais, tout le monde a mal. Hein. Tout le monde a mal. Hein. On va essayer de voir si Taylor Finet pour reprendre un relais. Il faut déjà revenir sur eux. Avant d'aller chercher Peter Sagan. Oh, Terpstra, il est fort. Terpstra, il est très très fort. Là, on a une course somptueuse, les amis. Il est en train de dire à 7 points de marque. Et au passe, vas-y, toi aussi. Mais on est encore 38 secondes quand même derrière Peter Sagan, Sylvain Dillier. Allez, Stuyven et Wout Van Aert vont se relever. Et Buchström s'accroche finalement. Ouais, ça va pas durer non plus. Ouais, pour ça lui. Va rentrer. Ça ouais. Va rentrer. Premier, prochain secteur pavé. On l'a dit, hein, ça sera Avelin. C'est le secteur numéro 10, Avelin. Et on y est dans moins d'un kilomètre. Ouais, il est toujours relayé, hein, le champion du monde. Barrière Wallace et par Sylvain Dillier. Bah, la tactique, c'est de ne pas les mettre dans le rouge, hein. C'est d'essayer de les garder au maximum, les encourager, faire le mec sympa. Non, non, je vais pas attaquer tout de suite. Ça y est, Stuyven et Van Aert repris par les six hommes, les six costauds hein, de Mont-Saint-Pével sous l'impulsion de Nicky Terpstra, Gilbert. Les deux d'Education First, Finet et Van Mark, et puis Stijn Vandenberg et Greg Van Avermaet, les deux isolés d'AG2R mondiale et de la BMC qui ont réussi à s'accrocher à Nicky Terpstra. Et pour l'instant, il y a encore hein, des garçons qui survivent à l'échappée du matin. Regardez, les Wallace et Sylvain Millier ici, en compagnie de Peter Sagan et Buchström dans le groupe derrière. On y voit assez clair maintenant, Jackie Durand. On voit qui va pouvoir peser dans le final et qui ne va pas pouvoir le faire. Après, sur différentes circonstances, hein, on rappelle que des coureurs comme Christophe, comme Tony Martin auraient pu être présents, victimes de chutes. Un peu plus tôt également, on a enregistré des chutes de coureurs comme Matteo Trentin sur le pavé d'Abelui. Mais là, ceux qui nous font la meilleure impression, il y a évidemment celui qui ouvre la route pour l'instant, Peter Sagan. Mais il y a également Nicky Terpstra qui me semble en grande condition. Avec Greg Van Avermaet, Wout Van Aert, pardon, qui vient de réaccélérer Wout Van Aert. Au moment où on faisait la jonction dans ce groupe des favoris, à la chasse maintenant de Peter Sagan, qui est dans le secteur d'Avelin, le secteur 10. Il est très court, très 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 court, et il fera partie de l'étape du Tour de France 2018. Tous les secteurs de fin d'ailleurs seront dans cette étape du Tour de France 2018. Et Van Aert hein, qui sortait avec Nicky Terpstra et derrière on laissait faire. Hein, Philippe Gilbert laissait faire, Greg Van Avermaet laissait faire les deux coureurs de la Education First. Attention, attention de ne pas laisser 10 secondes à Nicky Terpstra. Vous vous êtes fait avoir la semaine dernière au Tour des Flandres. C'est un excellent rouleur, Nicky Terpstra. Et il rentre dans ce secteur 10. Ah, ils sont rentrés. Ils sont rentrés sur Terpstra et Van Aert. Ouais, ça va vite. Très, très vite. Van Aert. Il est court, hein, 700 mètres. On en sent. Il y aura un petit répit avant d'aller chercher le secteur numéro 9 maintenant.
Peter Sagan qui ne compte pas ses efforts, hein. Il n'attend pas que ça rentre, il a ses 44 secondes d'avance, il veut faire travailler derrière. Mais il essaye de garder hein, ses collègues d'échapper avec lui, hein. Il ne fait pas de grosses relances. Ah, ils sont plus que 4, hein. Ils sont plus que 4 devant avec Nicky Terpstra. Puisque regardez, hein, il y a une petite cinquantaine de mètres entre Terpstra, Van Aert, Van Mark, Stuyven et le groupe Gilbert avec Greg Van Avermaet. Ce sont les 4 Guillaume sous l'impulsion de Terpstra qui sont en chasse à 39 Aert, secondes. Seb Van Mark, Jasper Stuyven. Ils sortent du secteur 10. On va attendre la sortie des poursuivants. Et les ensuite, ça sera le secteur 9, un secteur très roulant, le secteur pavé de Pontibault avec la relance de Greg Van Avermaet tout de suite. Philippe Gilbert. Avec Vandenberg qui n'a pas réussi à suivre Greg Van Avermaet à la sortie de ce petit secteur pavé. Ah là, ils sont piégés là, les trois coureurs là. Avec Greg Van Avermaet qui s'est tout de suite imposé. Une grosse séquence là pour essayer de revenir sur le groupe Nicky Terpstra. Et là, on revient sur la tête de course avec Peter Sagan, avec Sylvain Dillier et avec toujours Yellow Wallace. 45 secondes d'avance pour ce groupe. Derrière, il y a le groupe Nicky Terpstra et un petit peu plus loin derrière, il y a le groupe Philippe Gilbert. Par contre, derrière, il n'y a plus rien. Bah, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qui compte, ça va être compliqué de rentrer. Pour la victoire, on va dire, c'est vrai que là on a ces trois coureurs et puis surtout ces six hommes là entre Stuyven, Van Avermaet, avec Nicky Terpstra, Wout Van Aert et le dernier coureur que j'ai pas cité, c'est Bichström je crois qui s'est fait reprendre. Voilà, Van Avermaet. Ah non, c'est Taylor Finney qui est là. Taylor Finney qui est là avec Sepp Van Marqueux, Greg Van Avermaet, Jasper Stuyven, Nicky Terpstra et Wout Van Aert. Ah, ça devrait s'entendre hein. Maintenant messieurs, si vous voulez avoir une chance de remporter Paris-Roubaix, il faut s'entendre. Et on arrive dans Pontibault avec Peter Sagan. Maintenant on ne va plus débrancher. C'est encore loin, 38 km, attention hein. Il faut qu'il garde avec lui un maximum de temps hein, Sylvain Dillier et Yellow Wallace. Ah, il est fort évidemment Sagan, c'est lui hein, qui doit j'ai envie de dire être le plus entreprenant dans ce groupe de tête, mais il faut qu'il garde avec lui ces deux coureurs qui ne pensaient pas hein, j'imagine être là à ce moment de la course. Donc ils vont s'ils restent avec Sagan, ils vont rouler avec lui. Pourquoi? Bah pour assurer un podium tout simplement. Des podiums sur Paris-Roubaix, il n'y en a pas tous les jours hein, pour Yellow Wallace, pour Sylvain Dillier. La dernière fois qu'il est monté sur un podium, Sylvain Dillier, c'était la route Tadélie. Pas pareil, ouais. La route Tadélie et Paris-Roubaix. On nous annonce 50 secondes hein, d'écart avec le groupe de 6 là, qui pourtant s'entend bien. C'est-à-dire que Sagan fait un numéro. Exactement, et pour moi le plus gros des numéros, c'est Wallace et Dillier qui arrivent à s'accrocher hein, au basque de Peter Sagan. Il est en train de s'appuyer sur les hommes de l'échappée matinale finalement, Peter Sagan. Plus entreprenant dans ce peloton, c'est Stuyven. Oh, les deux coureurs, hein, Dillier et Wallace qui s'accrochent hein, au basque du champion du monde. Le triple champion du monde. Il y a deux triples champions du monde hein, sur ces images. Il y a Sagan là et il y a Wout Van Aert derrière, champion du monde de cyclocross lui. Les relances à chaque fois en sortie de virage, c'est là que ça fait la différence. Il est fort Sagan aujourd'hui. Meilleur résultat de Peter Sagan sur Roubaix, sa sixième place de 2014. Ça va bientôt faire une bonne quinzaine de bornes hein, que Peter Sagan est devant. Stuyven qui roule. Et Stuyven qui perd du terrain, une minute presque d'avance. Regardez les champions qu'il y a là. Hein. Stuyven, Finné, deux fois vainqueur en espoir. Greg Van Avermaet, vainqueur sortant. Sepp Van Marqueux qui est déjà monté sur le podium. Et on ne reprend rien à Peter Sagan parce que c'est pas Dillier et c'est pas Yellow Wallace qui font la différence là. Hein. Nicky Terpstra très très fort. Hein. C'est lui qui a réussi à faire exploser ce groupe. Mais Nicky Terpstra, il a aussi besoin de souffler. Il a laissé dans la pampa hein, Philippe Gilbert. Bon, les écarts sont faux. Hein. Il y a plus que 7 secondes hein, entre Vandenberg, Gilbert et tout ce groupe-là qui vient de se regrouper avec Kerviti, avec Sénéchal, avec Stiba, avec Bert de Backer, avec Oliver Nessen, avec De Busquereux. Ouais, il est toujours là, Bossard 131, Jens De Busquereux. Il est en compagnie de Nicolas Mas. Et une minute d'avance pour Peter Sagan.
36 km 800 de l'arrivée. Là, c'est l'enchaînement de Templeuve, hein, maintenant. Incroyable, Jackie. Il est en train de creuser cet écart presque tout seul en s'appuyant sur les hommes de l'échappée. On n'a que des ténors, que des cadors là, et on ne reprend rien au triple champion du monde. Ah oui, non, on lui avait souvent reproché d'être attentiste et de se faire contrer dans le final. Je ne sais pas ce qu'il va advenir de l'issue de ce Paris-Roubaix, mais au moins, on ne pourra pas reprocher à Peter Sagan de ne pas avoir tenté. Du Sagan comme on l'aime. Ouais. Il se demande un relais, Peter Sagan. Il est très intelligent, parce que je pense qu'il peut encore rouler plus fort. Il reste encore 36 km, mais il s'appuie sur les relais de Sylvain Dillier, de Yellow Wallace. Après, c'est normal. Regardez, Yellow Wallace, il n'y a plus trop de coureurs de l'équipe Lotto derrière. Si du côté de l'équipe Lotto Soudal, on avait vraiment un gros leader derrière capable de gagner, je pense qu'on ne roulerait pas. C'est exactement le même cas pour l'équipe AG2R, la mondiale. Il y a certes Stijn Vandenberg qui n'est pas loin derrière, mais ce n'est pas non plus le coureur qui est capable de battre les Nicky Terpstra ou autre Greg Van Avermaet. Donc voilà, on roule pour aller le plus loin possible. Ah, si Sylvain Dillier, si Yellow Wallace sont sur le podium ce soir, je crois que les DS de la Lotto Soudal et de l'équipe AG2R, la mondiale, seront plutôt satisfaits. Ouais, puis du côté de l'équipe Lotto Soudal, on est content, il n'y a pas de quick step devant. Donc si on peut aider un peu Peter Sagan et mettre en difficulté les hommes de Patrick Lefebvre, on va pas gâcher le plaisir. On nous demandait, Clem, pourquoi Didier roule avec Sagan alors que Nessen est dans un groupe juste derrière. On a à moitié répondu, Jackie. Oui, pour l'instant on sent que la course est plutôt axée autour de Nicky Terpstra, Greg Van Avermaet, ils sont très forts. Parce que Nessen, il est dans un groupe derrière, mais troisième groupe. Groupe battu pour l'instant, qui navigue à 20 secondes du groupe Greg Van Avermaet, cet écart qui est en train de se creuser. Yann De Busquereux qui sera en train de faire la jonction sur le groupe Greg Van Avermaet, ressorti du troisième groupe tout seul, l'ancien champion de Belgique. Regardez-le. Ouais, il est mal rentré, hein, un bel effort de Yann De Busquereux. Qui a attaqué à plusieurs reprises, notamment après le carrefour de l'Arbre dans le secteur du pont Gibus. Chaque fois, il n'est jamais parvenu à prendre du champ, mais là, il a fait le jump. Il fallait le faire. Et voilà, il est là, De Busquereux. Bien joué, bien fait. Dans la roue de Jasper Stuyven, de Wout Van Aert, de Greg Van Avermaet, de Sepp Van Marke et Taylor Finney. Là, il y a du lourd et du Nicky Terpstra, impressionnant. Et quelle campagne, hein, de Wout Van Aert. Ah, les années se suivent et ne se ressemblent pas, hein, pour Jens De Busquereux. Il est là dans le deuxième groupe, lui qui avait connu trois crevaisons l'année dernière sur Paris-Roubaix. Difficile de faire une place dans ces conditions. Là, ce qui est plus inquiétant, c'est qu'on a Finney, on a Terpstra, on a Stuyven. Ça roule, ça passe les relais et on reprend rien au groupe Peter Sagan. Et derrière, on commence à se poser des questions. Quelle tactique adopter pour Oliver Nessen et Stibart? Le problème, c'est qu'il y a Marcus Burgard qui est là et qui surveille tout ça. Marcus Burgard, c'est le lieutenant, le champion d'Allemagne, le lieutenant de Peter Sagan. Guillaume qui nous dit sur l'hashtag les RP, bravo Peter, tu le mérites. Apparemment, c'est déjà fait à 34 km de l'arrivée. Attention, attention, 56 secondes. On a déjà vu, hein, Peter Sagan tenter des choses comme ça. Et puis avoir un retour de manivelle alors que Bert De Backer prend un petit peu d'avance et on va en avoir une attaque. Est-ce que c'est Tony Martin? Non, Nispolit, non. Nispolit, hein, Martin out. Out sur chute tout à l'heure avec Alexander Christophe. Et avant un secteur délicat. Philippe Gilbert qui prend la roue. On nous annonce toujours une minute de retard, hein, pour le groupe Greg Van Avermaet. Allez, le petit secteur du moulin de Vertin, pas grand chose. Mauvais pavé, mais pas très long. Allez, en plus, on l'a refait en plus. Hein, ouais, ouais. Avant, il était vraiment pourri celui-là, mais là, ça passe bien. En fait, c'est deux parties. Hein. Il y a le secteur 8A, ce sont les deux parties de Templeuve. Là, on est dans la partie dite des épinettes. Et ensuite, on aura la partie du moulin juste après. C'est très cassant, hein, le moulin de Vertin également. Ouais, mais là on a senti qu'on avait refait. Hein.
la deuxième partie. On va voir la deuxième partie, on y arrive maintenant. Elle est plus pourrie. Et là, il n'y a quand même que du lourd, que du lourd. Et on reprend rien. Et on reprend rien. Évidemment, Jens de Busquereux, lui, fait la patinette. Il dit, je vais pas rouler. J'ai un coureur à l'avant, j'ai Yellow Wallace. Et en plus, il vient de faire l'effort, le jump seul. Le voici, ce Moulin de Vertin. Grosse ambiance, grosse ambiance. Et ils l'ont pas refait, Jackie. Là, ils ont bouché des trous un peu quand même. Ouais, c'est un faux plat descendant, donc on se dit ça va le faire, mais le pavé est abrasif, voire nocif ici. Quelle intelligence de la part de champion du monde. Voilà, il roule au train pour être sûr que Sylvain Dillier et le Yellow Wallace soient en mesure de le suivre. Il ne veut pas les abandonner maintenant, il en a encore besoin pour rouler entre les pavés. Et regardez la petite relance, à peine il a relancé, ça vient, il est allé chercher le bidon. Tout le monde a levé son cul de la selle hein, derrière, que ce soit Dillier. Et voilà, deuxième partie. Alors que c'est Terpstra, hein, vous le voyez, derrière, on l'a vu derrière, hein, qui faisait le plus gros du travail dans le groupe de contre. Avec Jens de Busquereux, véloce Jens de Busquereux, si ce groupe rentre, il aura une chance au sprint. Mais il va falloir rentrer. L'écart a l'air de se réduire légèrement. Le problème c'est que Terpstra là, il est en train de vider les cartouches, hein, et il n'y a plus de quick step. Il y a Philippe Gilbert, mais il est dans un troisième groupe. Eh oui, hein, si on veut aller chercher la victoire, hein, il n'y a peut-être que Niki Terpstra pour le faire. Dans le troisième groupe, il y a Stibar, il y a Nessen, il y a De Genkolb, il y a Stannard, il y a Tönnissen, il y a Tönks, Burgaard, Haus, De Backer, Polit, Lampard, Sénéchal qui est toujours là. Et à 30, plus de 30 secondes hein, du groupe Niki Terpstra. Yann Dubusquereux, on sent hein, qu'il éprouve quand même le besoin de souffler après la poursuite qu'il s'est infligée pour boucher une vingtaine de secondes. Voici hein, le groupe Niki Terpstra, Philippe Gilbert. Qui sort hein, du secteur du Moulin de Vertin. À 1 minute 15 de retard par rapport au groupe de tête. Et maintenant, direction 6-1. Hein ? Et attention, parce que le carrefour de l'arbre se rapproche. Ouais, un fort de l'arbre qui attend un champion du monde, Peter Sagan. Et également hein, le secteur de Canfin-en-Pével hein, qui est juste avant le secteur du carrefour de l'arbre. Canfin-en-Pével, ce sera à 20 km de l'arrivée. Allez, encore 10 bornes. Il faut qu'il garde ses deux compagnons d'échappée, peut-être 10 km. Ah, il veut une clé. J'ai l'impression qu'il veut une clé, non ? Est-ce qu'il a un problème ? Il n'a pas compris, il a filé un gel. Ouais, il va faire son petit réglage vélo, Peter. Ouais, vas-y, tant qu'à faire. Voilà, monsieur, il voulait une clé. C'est pas un gel que je voulais, c'est une clé. Bon. Il fait tout, Peter Sagan, mécanicien. Ouais, apparemment, il a demandé une pompe aussi. Là. Il va regonfler un petit coup l'arrière en roulant. Tiens, récupère ça. Ça va pas, c'est pas le bon diamètre. Tiens, voilà, merci. Clé de 12. Clé Allen. Oui, clé Allen. Ouais. On lui a donné une 6 et une 5 qu'il faut. C'est hallucinant la communication, il a demandé une clé, on lui a donné un gel. Qu'est-ce qu'il fait ? Il resserre ou il desserre ? Là, il desserre. Là. Il va remettre le guidon droit comme ça, non ? Ouais. Ah, il remonte la potence. Ah non. Attends, apparemment il a demandé une guidoline. Il a changé de guidoline, finir avec une guidoline arc-en-ciel. Si vous avez un peu de travail de bricolage ce soir à la maison, Peter Sagan peut passer chez vous. Ah, parce qu'à faire ça, c'est bien gentil, mais on peut avoir le guidon qui n'est plus... qui ne peut plus être très très droit. Ouais, qui se tord, qui ne suit pas la roue aussi. C'est plus embêtant. En tout cas, la clé Allen, il l'a dégagée. Hein. Le mécano, il a un trou dans son jeu de clé Allen. Peter Sagan-Guyver aujourd'hui. Et eux, ils reviennent. Et c'est dur. Et on lui laisse des forces. Greg Van Avermaet, Wout Van Aert,
Jasper Stuyven, Nicky Terpstra, que des champions. Il y a Van Marke qui est là, il y a Finney qui est avec eux. Et il y a Jens de Buskele qui s'accroche. Ah, il a redonné la clé au pilote moto. Hein. Ah oui, il n'a pas jeté la clé, vous êtes mauvaise, non. Il l'a donné à la moto de la caméra, qui redonnera au mécanicien de l'équipe Hans Grohe. Sylvain a un petit besoin de gonflage parce que Peter est là. Hein. On peut si besoin. Et ce soir, tu me nettoieras les vélos, dit le Wallace, c'est de Sylvain Dillier, parce qu'il est peut-être bien dans ton échappée. Est-ce qu'on a les écarts? Est-ce qu'ils sont confirmés? Je les entends plus, moi, les écarts. 45, 46 ouais, secondes, c'est ça, ouais. Ça. On a repris quand même 15 secondes. Oui, sur le secteur du Moulin de Vertin, parce que derrière, on a vu le gros travail de Nicky Terpstra, alors que le Moulin de Vertin, bah, Peter Sagan a roulé plutôt au train pour garder Yellow Wallace et Sylvain Dillier. Et derrière, toujours une trentaine de secondes sur le gros du peloton. Ah, puis pour Dillier et pour Yellow Wallace, là, vraiment, on doit penser au podium, hein, Jackie. Je pense que la douleur, elle est un petit peu moins conséquente, hein, qu'il y a une quinzaine de kilomètres où on voulait juste s'accrocher à Peter Sagan. Maintenant, on peut penser au podium parce qu'on voit là sur ce groupe Philippe Gilbert, ça va être compliqué. Hein. Marcus Burgard qui coupe les relais et derrière, bah, le groupe Van Avermaet avec Stepstra, avec Finet, avec Van Aert. Il est en train de buter. Ah, on a encore Marc Sarro hein, dans ce groupe. C'est bien ce qu'il fait Marc Sarro. On rappelle que chapeau Marc Sarro. Ce n'était pas le jour d'Arnaud Démare hein, aujourd'hui. Lâché assez rapidement, on a senti qu'il n'était pas dans l'allure Arnaud. Oui, parce que Marc Sarro s'était relevé hein, pour attendre Arnaud Démare lorsqu'il était victime d'une crevaison. Ouais, parce qu'il était encore, il a fini le circuit de la Sarthe. Il avait dû prendre la deuxième place d'ailleurs de la dernière étape, vendredi. Il est quand même génial ce Sagan, hein. Il va peut-être remporter Paris-Roubaix. En plus, il vous fait le tuto. Vous savez, le tutoriel, la vidéo. Comment réparer son vélo en course. Il est intelligent. Il est intelligent parce qu'il prend beaucoup de relais. Hein. Il n'essaye pas de faire péter ses compagnons d'échappée. Je le répète et je le dis, mais dans ces cas-là, il pourrait faire preuve de grand panache, de tenter d'attaquer. Mais il se retrouverait tout seul alors que là, il vaut mieux perdre une petite dizaine de secondes. Mais attendre tout simplement le carrefour de l'arbre pour attaquer. Réparation faite, Sagan repasse devant et l'écart remonte. 50 secondes annoncées. Oui, parce que même éventuellement, hein, si on a un retour de la part de ses coureurs, Peter Sagan va être dans le même état physique que Terpstra, que Wout van Aert, que Van Avermaet. On peut imaginer qu'en cas de retour, Peter Sagan est capable de nouveau attaquer derrière. Et Nicky Terpstra, très facile, hein, qui essaye d'encourager aussi ses compagnons avec lui là pour tenter de rentrer, de revenir. Pourtant, on s'entend bien, Jackie, quand même, dans ouais, ce groupe. Oui, mais on est sur la retenue. Je pense qu'on attend le prochain secteur pavé ou peut-être celui de Canfin à Pevel pour voir les plus costauds à l'image de cette bande marque, peut-être à l'image de Nicky Terpstra, tenter d'accélérer. Hein, parce que là, on repère du temps sur les périodes de transition. De Greg Van Avermaet surtout, hein, qu'on a senti très costaud. On rappelle, hein, Peter Sagan, il est parti parce qu'il a contré hein, Greg Van Avermaet qui avait la bougeotte. Et là, Stijn van den Berg, personne ne vient l'aider dans ce groupe. Pourtant, les treks, bon, ils sont deux, mais il y en a un qui est intercalé dans le deuxième groupe, donc ils ne vont pas rouler. Ouais, Nessen, il est là, donc il demande à Stijn de rouler. Bora, ils ont du monde devant. Non, on est pris, on est cuit. Il y en a un qui doit ranger son frein, c'est Philippe Gilbert. Il est dans ce groupe. Il aurait bien aimé être avec Nicky Terpstra. Et côté van den Berg, ce qu'on veut, hein, c'est certainement revenir hein, sur le groupe Terpstra de telle manière à ce qu'on décourage tout le monde et qu'on profite d'avoir Sylvain Dillier devant. Pour Agilosaire, la mondiale. Allez, secteur 7, on y rentre. C'est soi. Regardez Sylvain Dillier qui s'accroche dans la roue du champion du monde. Il y a le Wallace en coureur expérimenté, toujours là. Toujours au train. Là, on voit hein, l'écart est remonté à 55 secondes. Je pense qu'on va, sur ce 1 km 300, perdre du temps. Peut-être redescendre à 45 secondes, mais il a toujours avec lui Dillier et Wallace qui vont les relayer au moins jusqu'au secteur de Canfin en Pevel. Yele Wallace qui est en train de sauter. Yele Wallace qui a du mal à suivre là, la roue de Peter Sagan et de Sylvain Dillier. Ah oui. Une dizaine de mètres hein, sépare. Allez, Yele Wallace. Allez, maintenant, est-ce qu'on va avoir une accélération de Terpstra? Peut-être pas. Hein. Je vois plutôt Van Marck, hein, Sepp Van Marck.
Il aime attaquer, hein, Sepp Van Mark, spécialiste des pavés. Assez dur pour Yale Wallace. Hey, Sylvain Didi, il est collé à la roue. Hein. S'il se prend un trou, Peter Sagan, il va pas le voir. Hein, Sylvain. Hop là. Il reste lucide, Sylvain Didi. Ah, ouais, ouais. C'est plus compliqué pour Yale Wallace. J'ai l'impression qu'il est en train d'abdiquer, là, le Belge. Ouh, l'accélération de Peter Sagan. Faut pas perdre un seul mètre. Hein. Faut que vraiment il soit collé à la roue. Hein. Didier de Sagan. Et les... Une minute. Oh, oh la démonstration. Eh bien, on voulait du Sagan Champagne. On a du Sagan Champagne. On préfère le voir faire 3 ou 4 comme ça que ne pas peser sur la course et ne pas être sur le podium comme la semaine dernière au Ronde van Vlaanderen. Ah, c'est dur hein, pour Didier. Hein. Jacques, il cherche la vitesse. Il cherche le braquet. Hein. Il a deux dents de plus hein, que... Mais regardez, il roule prend direct. Le relais, il prend le relais, Sylvain Didier. Et imaginez, Sylvain Didier, il fait ses efforts pour être sur le podium. La deuxième place pour Sylvain Didier. Ou alors, Peter Sagan lui a dit, je te paye une bière. Ouais, il lui paiera une bière. C'est dans tous les cas, il lui payera. Ouais, ouais. Mais je crois que dans la voiture, on doit avoir Julien Jurdi, Vincent Lavenue, qui doivent encourager à bloc hein, quand même Sylvain Didier. Et on avait tout misé sur Oliver Nessen. Il n'a pas eu de chance, hein, Oliver Nessen. Attention, la relance. Là, c'est le fameux passage où le panier est bien pourri en plus. Voilà. Ça colle à la roue, n'est-ce pas, monsieur Sepp Van Mark? Apparemment, le groupe Stibar-Gilbert navigue à 30 secondes hein, du deuxième groupe maintenant. Le groupe que vous avez à l'image, emmené par Nicky Tepstra, avec Stuyven, avec Craig Van Avermaet. L'attitude hein, de Busquereux. Avec Wout Van Aert, Finé et Sepp Van Mark. Ah, il ne doit pas être sûr de lui, Van Mark. Hein. Il ne fait pas rouler Finé. Ils sont quand même deux hein, sur 7. Du grand Peter Sagan aujourd'hui. En quête d'un second monument après le Tour des Flandres, la 100e édition, il avait remporté. Et ça fait plusieurs fois que je vois Peter Sagan qui resserre avec sa main, alors ou son compteur ou à sa potence. Je ne sais pas s'il n'a pas un espèce de ressort, ça se trouve, au niveau de sa potence, parce que ça fait plusieurs fois que je le vois faire. On sait qu'il y a des innovations qui arrivent toujours sur Paris-Roubaix. Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé un petit système avec effectivement un amortisseur? On sait que Lapierre avait fait ça sur les vélos de l'équipe FDJ, qu'on pourrait régler en course en fonction justement si on est sur du pavé cassant, du pavé roulant ou sur la route. On se demande, hein, comme on voit depuis tout à l'heure l'attitude de Peter Sagan. On sait que l'équipementier hein, de Peter Sagan, la marque américaine, a sorti un vélo de gravel justement avec cette technologie, avec un espèce de ressort imprimé dans la douille de direction et dans la potence qui permet d'avoir une flexibilité. Et on voit Sagan qui desserre avant chaque entrée sur le secteur pavé et qui resserre derrière à la sortie du secteur pavé. Alors est-ce que ce serait ça? Je pense qu'il y a quelque chose. Il y a une petite innovation technique sur le vélo de Peter Sagan. Et bien entendu, il ne l'a pas écrit partout hein, avant d'en parler. Et une 20 maintenant, une 20. Il est en train de les atomiser. Sur les pavés, il les atomise. Et Didier est toujours là. Allez, souffle Sylvain, souffle, ça va le faire. On arrive presque au carrefour de l'arbre. On est en montée. Hein. Vous voyez ce secteur numéro 6, le secteur de Gourguel, qui est en montée. Ça peut faire des différences. Il est en train de faire des différences, Peter Sagan. Ensuite, il y aura qu'enfin en PVL, qu'on appelle le pavé de la justice. Et ensuite, ce sera le carrefour de l'arbre. Ouais, s'ils ont repris encore 30 secondes depuis le moulin de Vertin, il y a une quinzaine de kilomètres. On aimerait bien avoir vos avis, hashtag les RP. Est-ce que Sagan est parti pour remporter Paris-Roubaix? Où est-ce que ça va rentrer derrière? Alors que Wout Van Aert accélère. On va voir avec Van Aert, avec Tepstra là, qui vont tout donner si on plafonne par rapport à Peter Sagan. Stuyven qui explose. Non. Ah, il a besoin de souffler quand même. Et Wout Van Aert, c'est le plus à l'aise hein, dans les virages. Fait la différence, fini à la relance pour emmener cette bande marqueuse.
que je reçois des textos. On me dit que Sagan aurait une suspension sous la potence. Oui, ça bouge. Ça bouge effectivement sur le hashtag ERP. Hein. Ça a déjà été utilisé à plusieurs reprises sur Paris-Roubaix. Et pourquoi pas? Pourquoi pas Dillier battre Sagan? 1 minute 30! 1 minute 30 d'avance! Et 1:50 sur le groupe Gilbert, ça veut dire que le groupe Gilbert n'est pas si loin que ça hein, du groupe Terpstra, on se marque. À la limite, si le groupe Gilbert rentre, là, il y aura plus de monde pour rouler, hein, parce que les treks vont rouler, on aura repris Steven et tout le monde va avoir intérêt à rouler. Oui, mais le problème, c'est qu'on va bientôt être dans les 15 derniers kilomètres. Hein. Et pour l'instant, on sent qu'il y a une gestion de l'effort de la part de Peter Sagan, bien aidé, c'est vrai, par Sylvain Dillier. Je pense qu'il en a encore sous la pédale. Ah, s'il reste dans la roue, le Suisse va monter sur le podium de l'enfer du Nord. Ce serait bien pour cette formation des Terres et Ciel de monter sur le podium hein, de Paris-Roubaix. Ah, il a acheté son dernier bidon. Hein. Ah non, il lui en reste un, pardon, Sylvain Dillier. Le champion de Suisse. La dernière fois, c'était Fabien Cancela. Hein. Il était monté sur la troisième marche, l'année de la victoire de Niki Terpstra en 2014. Waouh, 1 minute 25, là c'est assez énorme hein, l'écart. Oh, pardon. Excuse-moi Peter, j'ai pris le bidon. T'avances pas. Tu me la laisses s'il te plaît. Il y en a un qui dit Sagan, si t'es un seigneur, tu la laisses à Dillier. Je suis pas sûr. Mais là regardez, là on est sur un petit faux plat montant, ça fait bien mal aux jambes. On rappelle que Sylvain Dillier est dans l'échappée depuis très tôt ce matin. Et il fait l'effort là sur une partie la plus difficile. Ça fait bien les affaires du champion du monde. Allez, on va bientôt arriver hein, sur le secteur de Canfin-Pével. On va rester sur cette belle route. Il y a un léger faux plat. On va tourner sur la gauche. Et le secteur de Canfin-Pével. Petite saleté aussi, hein, Canfin-Pével. Hein. Ah, il y a une attaque dans le groupe Gilbert avec Oliver Nessen qui vient d'essayer de sortir de ce groupe. Comme l'a fait tout à l'heure Jens de Buskele, on était en train de se rapprocher du groupe Niki Terpstra et apparemment tentative de Oliver Nessen. Oui, je pense que Vandenberg est arrivé au bout de son effort et Oliver Nessen est obligé de faire l'effort. Voilà, on va aller jusque là-bas, jusqu'aux maisons là-haut et tourner à gauche où il y a tous les camping-cars et voitures. Guillaume sur l'hashtag les RP qui nous dit Bonan a parlé, Sagan a répondu. On rappelle hein, Tom Hoeke qui avait dit à Peter Sagan. Il faudrait qu'il arrête de suivre un petit peu tout, de se prendre pour un autre, qu'il nous montre que c'est un champion. Il est en train de le montrer, le champion du monde. On rappelle, hein, il est parti à 54 km de l'arrivée. Comme l'avait fait, 50, comme l'avait fait Bonen. Ou Schmil. Ou Cancellara. Comme l'ont fait les plus grands. 20 km de l'arrivée pour Peter Sagan et Sylvain Dillier. 1 minute 30 d'avance. On aura un petit débrief. Hein, très très court juste après avec Steve Chenel, avec Jackie Durand et Louis-Pierre, bien sûr, Louis-Pierre Frileux. On aura le temps de vous distiller quelques dessins, peut-être même de voir le podium, on l'espère. Surtout si c'est Peter Sagan, le champion du monde, il y aura de l'émotion. Et Sylvain qui passe là juste avant l'entrée de Canfin en Pével. On va tourner à gauche là. Tu me laisses faire. Tu m'attends, hein, tu m'attends. Tu me laisses faire tu me lâches pas, hein. Tu me lâches pas. Je fais le tempo qu'il a dû lui dire. Ah maintenant c'est vrai que il faut mieux se parler. Hein. Il faut se parler, faire le mec sympa. Le pavé de la justice. Bah, tant que l'écart est de 1:30, je pense que Peter Sagan ne va pas vouloir forcément se débarrasser de Sylvain Dillier. Hein, parce qu'après le carrefour de l'arbre, le dernier gros secteur, il y a quand même pas mal de pas loin de 10 bornes. Et au sprint, il n'y a pas photo. Hein, si Sylvain Dillier arrive avec Peter Sagan, en plus avec un peu plus de fraîcheur pour le champion du monde, il devrait gagner. Donc je pense que s'il lui met une bonne attaque, il risque de lâcher comme il veut hein, le coureur de l'équipe AG2R, la mondiale. Mais là, il s'en sert. Il y a une entente, hein, on l'a bien compris. Peter Sagan a dit tu fais les efforts et moi je t'emmène jusqu'au bout. Hein. Je t'emmène jusqu'à l'entrée du vélodrome. Sauf si le peloton se rapproche. Hein. Si vraiment on sent que ça revient à 40 secondes, il va être obligé de se débarrasser du champion de Suisse. Ah là, c'est chacun pour soi et Dieu pour les autres. Mais c'est logique, hein, tous les deux ont le même objectif, c'est rallier le vélodrome, de se satisfaire d'un podium hein, pour Sylvain Dillier. Et de l'emporter pour Peter Sagan. Il y a Florian qui nous dit tu la sens la crevaison de Sagan au carrefour de l'arbre et la victoire de Dillier. Ça peut arriver ça aussi. Bien sûr que ça peut arriver. Mais vous êtes dans cette position messieurs. Peter Sagan crève. Vous êtes Sylvain Dillier. Vous faites quoi?
Ah bah en haut là, on va pas l'attendre. Et... Je passe ma roue moi. Ah oh, le bon samaritain. Tiens Peter, je suis en fin de contrat, tu me prends chez Bora l'an prochain. Tu prends la roue et tu la tires et puis tu dis combien. Allez Tyler Finney qui rentre donc enfin en PVL, l'équipier de cette bande marque qui est là également, son leader. Il faut bouger maintenant parce qu'à 1.30 ça fait beaucoup. Ouais mais cette bande marque, il est en dernière position, il y a Greg Van Avermaet, il est à bout de Van Aert. Toujours pas récupéré non plus, il y a les voilà, ils ne semblent pas. Non, il doit toujours être intercalé. Ah, il s'accroche chez les Wallis. Alors que derrière, ça y est, on est revenu à 15 secondes hein, derrière. Le groupe Oliver Nassen est en train de faire la jonction avec le groupe Terpstra Van Mark Van Avermaet. Vous en avez parlé hein, de cette stade Paris-Roubaix champion du monde. Le dernier vainqueur champion du monde à Paris-Roubaix, on s'en souvient tous. C'était le blaireau, c'était en 1981 après son titre à Sallanches en 80, mais ça a été fait de nombreuses fois et on rappelle que lui l'a déjà fait sur le Ronde van Vlaanderen. S'il s'impose aujourd'hui Peter Sagan, le sixième champion du monde en titre à remporter Paris-Roubaix. Le premier avait été Marcel Kint en 43. Il faut dire que son titre mondial, lui, il l'avait emporté en 38. Après, il y a eu la guerre mondiale. On n'avait pas disputé le championnat du monde qui avait réapparu en 46. Et puis ensuite, il y a Rick Van Looy qui l'a fait deux fois en 61 et en 62. Eddy Merckx, comme d'habitude, quand tu ne sais pas, tu dis Eddy Merckx. Il l'a fait, c'était en 68, l'année de l'apparition de la trouée d'Arombert. Ils avaient terminé à 20, pas plus, cette édition de Paris-Roubaix. Et Francesco Moser l'avait fait. C'était en 1978. Incident pour vous de Van Aert. Saut de chaîne. Saut de chaîne hein, dans le virage. Ce n'est pas une crevaison. Alors que Tyler Finney, lui, continue son travail. Voilà. Ah, c'est dur pour Wout van Aert parce qu'il a été l'un des agitateurs de cette édition Paris-Roubaix. Mike Tennyson, la chute du spectateur. Avec Mike Tennyson, avec Stibar qui reviennent, avec Oliver Nassen. Et Nils Politte qui est là aussi. Ah, il a tenté le front flip, le spectateur. Comme Julien Duval lors de la reco. Vous avez vu hein, cette photo. La mise à Julien. La pelle. Attention, accélération de Nicky Terpstra sur la fin de Canfin en PVL. SF Van Mark ne se fait pas surprendre. Mais regardez, ça reprend rien. Une 25, une 26. On va voir. On va voir si Terpstra arrive à boucher maintenant. 17 km de l'arrivée. Nicky Terpstra, le vainqueur du ronde. Bim. Finet distancé. Terminé. Greg Van Avermaet qui a du mal à suivre. Ah, il va rentrer, hein. Le vainqueur sortant. Ouais, il va rentrer, mais il y laisse des forces. Hein. Des busquereux également, alors que ça y est, on y est. Ouais. Dans le carrefour de l'arbre. En principe, celui qui sort du carrefour de l'arbre, en tête, bah, il est rarement battu. Il est en faux plat montant. Hein. Est-ce que Sylvain Dillier va être en mesure de revenir, de l'accrocher? On va voir. Ah, il faut s'accrocher hein, pour Yellow Wallace qui aura fait une sacrée course. On a repris 15 secondes sous l'impulsion de Nicky Terpstra. Et là, Sagan va tout donner. Ça va être dur pour Sylvain Dillier. Va devoir s'accrocher le champion de Suisse. Il s'accroche bien. Hein. Ah, il est calé dans la roue. Hein. Ah, il n'y a pas de distance de sécurité. C'est là qu'on est à l'abri. Mais on sait que Peter Sagan, de temps en temps, hein, il y a des changements de trajectoire intempestifs. Oh, ça secoue un peu dans tous les sens pour Sylvain Dillier. Ah, il tire un petit peu plus gros hein, que Sagan. Regardez la roue arrière, comment elle s'est décalée. Là. On va le voir au ralenti. Il faut continuer à pédaler pour que ça raccroche directement. Il faut que le boyau soit bien collé aussi. Hein, ah, c'est mieux. Il est toujours là, Sylvain Dillier. Oh, ben j'ai envie de dire que la ligne d'arrivée, c'est quasiment hein, lorsqu'on tournera à droite à la fin de ce carrefour de l'arme hein, pour Sylvain Dillier. Oui, parce que derrière, les secteurs pavés, c'est pas bien méchant. On ne parlera pas du dernier, il est anecdotique. Oui, mais après, il y a le pavé de Gruson, c'est pareil, c'est un kilomètre, mais c'est plutôt plat. Et puis, un peu plus loin, c'est pas méchant non plus. Terpstra qui joue son va-tout maintenant. Yellow Wallace qui a été décramponné. Il y a Sepp Van Mark dans la roue. Il y a Jasper Stuyven qui est toujours là. Il y a Greg Van Avermaet qui s'accroche.
Allez, il y a le Wallace qui craque un peu. De Busquereux en difficulté également, son coéquipier. Ça passe dans ce virage pour Sylvain Nillier. Ah, la relance, elle fait mal là. Et là, c'est en faux plat, on le voit pas. Et pour aller jusqu'au bar-restaurant qui est placé en haut du carrefour de l'Ave, ça fait mal. Ah, il a perdu 20 cm, Dilly. Non, non, allez, il est là. Il a enlevé des dents, hein, le coureur de l'équipe AG2R, la mondiale. 4 km encore de pavé. Et oh là là, comment il se fait mal. Ah ouais. Mais allez, bonhomme. Et au bout, il y a un podium sur Paris-Roubaix. Et il a réussi sa rentrée, lui, hein. Victoire à la route à Delhi. Comme quoi, parce qu'on gagne des classes, je crois, souvent. Il a dû en manger beaucoup à la route à Delhi. Ça lui a bien réussi parce que si derrière il enchaîne, je n'ai pas la stat, hein. Victoire à la route à Delhi, podium du Tour des Flandres, celle-là, je ne l'ai pas, ne me la demandez pas. Aïe, c'est dur pour Jens de Busquereux. On rappelle qu'il était dans le troisième groupe tout à l'heure. Il a fait la jonction sur le groupe Wout van Aert, qui n'est plus là. Et là, il est en train de payer cet effort. Il n'y a que Terpstra, hein. Seul Terpstra joue gagnant. A essayé de rentrer, j'ai l'impression que derrière, on joue le podium, hein. On joue battu là. Ouais, on a repris 18 secondes, mais ça ne suffit pas à 15 km de l'arrivée. En tout cas, la confirmation le plus fort à la Quick-Step sur les Flandriennes, c'est Terpstra. Allez, c'est fini. Allez, Sylvain, voilà. C'est le haut. Tu vas tourner à droite. Tu vas retrouver un autre secteur pavé. Le fameux restaurant de l'arbre. Ils vont pas avoir le temps. Hein. Très bonne table, Jackie. On n'a jamais le temps, mais très bonne table. Bon pinard. Ça, on n'a pas essayé. Allez, la relance à droite. Et les derniers bidons également hein, qu'on peut prendre. Là, ça fait mal. Hein. Je peux vous dire que lorsque vous êtes là, vous avez les bras tétanisés. Regardez le petit regard de Peter Sagan, c'est bon, t'es toujours là Sylvain, allez on continue, on y va. Et ça enchaîne direct, hein. On revire sur la gauche et on a à nouveau un secteur pavé. Là on joue le podium, ça joue le podium pour l'instant, il reste trois secteurs pavés, le secteur de Gruson, deux étoiles, histoire de faire l'écart ou de revenir. On aura le secteur de M ensuite, l'avant-dernier secteur. Jackie, vous le savez, ce secteur, il a souvent été tronqué parce qu'il y a des passages sur le côté où on peut aller rouler. Mais depuis une année, on a mis des barrières. On oblige les coureurs à aller chercher ce secteur pavé. Et après, il restera le dernier secteur pavé. Celui-là, il est anecdotique dans les rues de Roubaix, juste avant le Vélodrome. Le secteur Charles Krupland, du nom du seul Roubaisien à avoir inscrit son nom au palmarès, justement, de Paris-Roubaix. Attention Peter, attention. Là. Moi, je me souviens d'un Mathieu Ladanius qui avait crevé en roulant là de ce côté-là. Et puis et les spectateurs sont là. L'année dernière, on se rappelle hein, de son Tour des Flandres, la chute, hein, il était trop près des barrières. Il ne pense certainement pas à ça, hein, Peter Sagan, mais il a presque course gagnée. 30 secondes de récupérer le forcing maintenant de Niki Terpstra, de Sepp Van Marke. C'est dur pour Jasper Stuyven. C'est vrai qu'il prend des risques hein, dans ce secteur de Gruson. Ouais, mais ils l'ont bien refait. Hein. Ils ont bien refait les bas-côtés. Ça roule tout seul. Est-ce que la balayeuse est passée hier ou avant-hier? Beau petit Valtin, comme on dit. Alors là, par contre, je comprends pas. On a mis des barrières à M pour éviter qu'on roule sur le pavé. Je crois pas qu'on mette des barrières hein, sur ce secteur. De Gruson, il n'y a pas de. Non. Il n'y a pas de barrière. Par contre, attention au petit caillou là. Hein. Ouais, au risque et péril hein, d'aller dans la caillasse. Puis les spectateurs aussi hein, quand même. Hein. Ils s'écartent un petit peu au dernier moment. Il n'y a que des Belges. Tous les Belges sont derrière. Mais voilà, on laisse passer Peter Sagan. C'est Monsieur Sagan. D'ailleurs, le dernier secteur d'EM, il risque de disparaître. Hein. Je ne vous dis pas tout, mais on est à la recherche d'un secteur pavé assez long. Pas très très loin de Roubaix. Ça pourrait changer, ça pourrait arriver à l'horizon 2022 avec un nouveau secteur pavé beaucoup plus long qui serait donc l'avant-dernier secteur pavé de l'enfer du Nord. Mais ça, on a un petit peu de temps. Peter Sagan qui continue hein, de s'alimenter, il prend les derniers gels énergétiques. Faut pas oublier hein, de... Une minute confirmée, 59 secondes même maintenant de retard pour le groupe Greg Van Avermaet à 13 km de l'arrivée. Il ne reste plus qu'un seul secteur pavé. Le reste, c'est pour le défilé, hein, le secteur Charles Krupland. Ça va au bout, Jackie ou... Ah, je crois. Et alors là, au sprint le plus rapide, Jackie. Je sais pas, il y a un suspense. Ça gagne, je crois. Mais attention, hein, derrière, on ne capitule pas. Bon, on a compris que devant... On n'allait pas se regarder. Souvent, lorsqu'on a deux coureurs échappés, lorsqu'on arrive dans le final avant le Vélodrome, on commence à se regarder. Là, l'entente est parfaite dans le duo de tête et ça va s'entendre jusqu'à l'entrée du Vélodrome.
pense que Sylvain Marqueux et Nicky Teffran ont l'air les plus forts, hein, dans ce groupe. Alors après au sprint le plus fort, c'est peut-être GVA. Gazette van Antwerpen. C'est quoi ça? C'est le nom du journal à Anvers. La Gazette d'Anvers. Elle la connaît pas celle-là. La Gazette van Antwerpen. Chez moi c'est le midi libre. Ouais, quelle santé Sylvain Didier. Mais il est énorme. Incroyable. Que, je crois qu'il a fait que deux fois Paris-Roubaix, ou une ou deux fois. Et il n'a jamais fini. Ou il a dû finir une fois hors délai, une fois abandon. Et là, paf, directement sur le podium. Comme quoi avec de la fraîcheur quand même. Ah ouais. On se souvient de Matthew Heyman lorsqu'il avait remporté Paris-Roubaix. Lui aussi n'avait pas couru, il revenait de blessure. Il n'avait que quelques jours d'entraînement, de course. Il avait fait un gros entraînement sur Home Trainer. Et paf, quelques semaines plus loin, il remportait Paris-Roubaix. Dis pas que Sylvain Didier va remporter Paris-Roubaix, parce que bon, il est quand même plutôt en position de terminer deuxième. Allez, secteur 2M dans 3 km 600. Il n'y a plus trop de montée, mais il y a quand même cette montée là dans le final pour. Ce col, tu veux dire. À 4-5 km de l'arrivée. Et Sylvain Dillier, il a de la ressource. Lui qui avait remporté son étape sur le Tour d'Italie l'année dernière, Sylvain Dillier. Il a fait une belle saison 2017. Je pense que si on l'a recruté au sein de l'équipe AG2R la mondiale, c'était pas forcément pour briller non. sur Paris-Roubaix. Hein. Non. On l'avait vu briller sur la route du Sud. Il avait remporté le classement général de la route du Sud l'année dernière devant Richard Carapaz de la Movistar et Kenny Elissonde. 49 secondes. Hein. On a gratté une petite dizaine de secondes là derrière. Est-ce que les trois coureurs s'entendent, hein? Van Avermaet avec Van Mark et avec Terstra. Et Steuven également hein, qui passe. Équipier de Greg Van Avermaet, Sylvain Dillier l'année dernière. Oui d'ailleurs il ne devait pas être de la campagne des classiques. J'étais en train de regarder mais non. Je crois qu'il l'a fait une fois en 2014. Je vais vous dire. Et il l'a fait une fois en espoir, c'est tout je crois. Il l'a fait en 2014, il avait pris la 46e place. Ah quand même. Et il l'avait fait l'année dernière également, il avait terminé 49e. Sylvain Dillier. Sylvain Dillier. C'est ça. Deux participations, même. Non, attendez. Paris-Roubaix, une seule fois. Hors délai. 2014, hors délai. C'est le Tour des Flandres qu'il a fait à trois reprises et qu'il a terminé à trois reprises. Il aime le pavé quand même. Après, c'est vrai que c'est plus un grimpeur. Hein. Vous parliez de ses références sur la route du Sud. Donc, un grimpeur est plus à l'aise lorsqu'il aime un peu les pavés sur le Tour des Flandres que sur Paris-Roubaix. Mais aujourd'hui, chapeau ce qu'il a réalisé. 15 secondes encore de récupérer. Il reste 10 km. Oui, attention, on n'est jamais à l'abri d'une petite fringale. Ou d'une crevaison. Surtout que derrière, on a l'air de s'entendre. Hein. C'est quand même quatre grands favoris qui sont à la poursuite de ce duo de tête. Allez, parce que là, crevaison, 45 secondes, il n'y a pas de marge. Hein. Vous crevez, attention, ça rentre, hein. Attention, ça passe. Ça passe pour les hommes de tête. Là aussi, on avait eu le passage à niveau qui s'était fermé il y a quelques années. Avec pas mal de coureurs mis hors course. J'ai l'impression qu'on s'entend bien quand même au sein de ce groupe. Là, ça y est, on se retrouve les quatre costauds. Oui, mais si on revient, allez, ne serait-ce qu'à 20 secondes, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on se dit, on est en train de rentrer, on va en garder un on petit peu. Et puis ça va repartir. Voilà, le Vélodrome attend, c'est héros. C'est quand même un lieu mythique, hein, ce vélodrome de Roubaix. Je peux vous dire que lorsqu'on est coursier et qu'on entre sur ce vélodrome, c'est toute l'histoire, hein, de Paris-Roubaix qui ressort. Même les douches, hein, ça se perd un petit peu, mais quel plaisir d'aller prendre une bonne douche dans le vélodrome. Ces douches où figurent les vainqueurs, ils ont leur plaque. Bon, quand vous l'avez gagné deux fois, c'est la même plaque. Hein. Marc Madiou, il a qu'une douche. Hein. Le Vélodrome hein, qui a accueilli tout à l'heure l'arrivée de Paris-Roubaix Junior, on en parlait tout à l'heure. C'est un Britannique qui s'est imposé, Lewis Askey, devant un Italien, Samuele Manfredi, et un Danois, toujours les Danois dans les catégories des jeunes, Mathias Jensen, à noter. Premier Français, c'est Donovan Grondin qui prend la 12e place. 44 secondes.
Edilier, toujours avec Sagan. Ah, il ne l'aura pas volé, hein, podium. Franchement, il ne l'aura pas volé. Chapeau à Sylvain Dillier. Ouais, on ne sait jamais. Hein. Puis tout à l'heure, on annonce le podium. Et s'il y avait un peu mieux que le podium pour Sylvain Dillier. Il a 27 ans, Sylvain Dillier, le champion de Suisse. Je sais que Jackie sourit déjà dans sa barre. Bah, mieux que... Non, il sera... Allez, ça discute dur. Hein. Mieux que la deuxième place, c'est le pavé. C'est le podium. C'est le pavé. C'est le pavé. Mieux que le podium. Mieux que la deuxième place. Ah, bah. Vous savez, puis quand on donne le pavé, on parlait des trophées. Parce que ça n'a pas été toujours le cas, le pavé pour le vainqueur. Aucune idée. Ben moi non plus. Merci pour l'info. Nous, on attendait, nous. J'avais pas de soucis. Si, je sais. Quelle info. Alors, on n'a pas mis des barrières, mais on a mis des petits plots, là. Comme on le fait sur les pavés du Tour des Flandres, pour éviter que les coureurs aillent sur le côté. Et là, on a tous les anciens vainqueurs, là... En photo, Rick Van Looy. Francesco Moser. Le blaireau. Ah, puis quand on est coureur, on s'attarde sur ça. Hein. Il le sait, Bernard Hinault, vous le traitez de blaireau. Il le sait. Et voilà, dans les virages, quand même, on a laissé la possibilité aux coureurs de couper. What? Ouh là, il y a eu un gros trou là. Marc Madiou, le double vainqueur. Et on va chercher à chaque fois, regardez, on a mis justement là pour éviter d'aller chercher le pavé, le goudron, et ils y vont quand même. Et on a reperdu du temps, hein. On était revenu à 42 secondes, c'est remonté à 50, 52. Ah, et puis c'est pas sur ce genre de secteur hein, que Van Avermaet, Nicky Terpstra ou Stuyven, voire Van Marke, soient capables, ils vont pas être capables de faire les différences. C'est fini, Jackie, il repère du temps, regardez, 50 secondes, il aura... Un des deux auront le pavé. Le premier à avoir reçu ce pavé, c'était en 1977. C'était encore Roger de Vlaminck, le gitan. Encore mal, hein, des victoires avec Tom Bonnen. 4 victoires pour les deux hommes. Peter Sagan, il n'en a pas de victoire à Paris-Roubaix. Il a remporté le Tour des Flandres en 2016. Il portait déjà le maillot de champion du monde. Il a presque réalisé un chef-d'œuvre aujourd'hui. Sylvain Dillier, qui était dans l'échappée ce matin, s'accroche pour monter sur le podium. Ah, il est collé à la roue. Hein. Il veut pas prendre le moindre vent, Sylvain Dillier. Ah, c'est peut-être le dernier secteur là où on peut être victime d'une crevaison. Ils ont été épargnés, que ce soit Sagan, que ce soit Sylvain Dillier, par les incidents aujourd'hui. Ce serait dommage que ce soit à 6 km de l'arrivée. Et on reprend du temps encore avant Avermaet. Le chef-d'œuvre de Peter Sagan. Allez, ça y est, c'est au bout là-bas. On en a terminé du dernier secteur. Allez, Sylvain, on s'accroche. Allez. Ah, il va l'attendre, Il fait tout. Il fait même la mécanique. Il reste un secteur pour la formalité. 6 km 400 au bout d'un rêve. Attaque de Dillier. Ouais, et puis Sylvain, vraiment, respect. Hein. Là, on le voit. Merci, mec, qui lui a dit. Ouais, il lui a dit merci. Hein, Merci de m'attendre. Ouais, mais on a tout intérêt à collaborer. Hein. Sylvain bien Dillier sûr, va hein. réaliser son meilleur résultat, bien sûr, sur un monument, permettant à Peter Sagan de toucher son rêve. Peter Sagan qui a été critiqué dans la semaine. On l'avait même critiqué pour certains sur le plateau des Rois de la Pédale parce qu'on voulait retrouver le Peter Sagan offensif. C'est le Peter Sagan qui fait rêver. C'est le Peter Sagan qui fait briller les yeux des enfants. Eh bien, Sagan aujourd'hui, c'était une superstar. Et qui court très intelligemment. Lorsqu'il est sorti à 54 bornes de l'arrivée, il est revenu sur ce groupe d'échappés matinaux. Il s'est aidé de Yellow Wallace, il s'est aidé de Sylvain Dillier. Et très très bien joué de la part du champion du monde. Jackie, si t'es le directeur sportif de Sylvain Dillier, là, tu lui dis quoi? Assure la deuxième ou tente là. Faut y croire ou qu'est-ce que tu dis toi? Franchement. Bah vas-y, de toute façon, Sylvain. Si tu peux l'enquiller, enquille-le. Non mais bien sûr, mais. Oui, mais qu'est-ce qu'il peut faire là? Qu'est-ce qu'il peut faire? Ne plus rouler? J'en sais rien. Et se faire contrer dans ça le prochain. Ça bouge encore derrière. Ben regardez, Nicky Telstra, accélération avec Jasper Stuyven, avec Greg Van Avermaet. C'est Sepp Van Marke qui est dans le dur maintenant. Je suis le premier à dire, c'est pas bien de courir pour la deuxième place. Mais là, s'il l'attaque, s'il roule plus, qu'est-ce qu'il veut lui faire Sagan à 3,5 km de l'arrivée dans le faux plat? Il va lui mettre une attaque. Il va se faire lâcher, il va se faire rattraper par Nicky Terpstra, il ne fera pas sur le podium. Donc là, il faut qu'il collabore et rester avec le champion du monde. Après, sur le sprint, bah, qu'il tente. Mais là, il faut qu'il reste avec, sinon il se fait contrer quand il veut. Hein. Dans le deuxième groupe, on joue le podium pour l'instant, mais pas plus. Il y en a déjà qui l'ont vu le podium. Je pense à Sepp Van Marke, à Nicky Terpstra, hein, bien sûr, parce qu'il n'est pas monté que sur la première marche, Nicky Terpstra.
Rappelez-vous, l'année dernière, il est arrivé pour la gagne également. Alors que le groupe Stibar, hein, qui s'était rapproché, hein, a perdu du temps sous le carrefour de l'arbre. Ils sont passés une minute derrière le groupe Craig Van Avermaet. C'est Stibar qui était pour la gagne l'année dernière. C'était pas chez Quickstep. Ouais, ouais, ouais. Allez, 5 km, 5 km. Un dernier faux plat. Et Fred était sur le podium l'année d'avant sa victoire, troisième. Un faux plat qui fait très mal, hein, ouais. Qui on le répète. Franchement, cette longue ligne droite, elle doit faire un bon kilomètre. Ça fait mal, c'est quoi? C'est 3% maximum, peut-être 4%. Ouais, parce que là, je pense vraiment que si Peter Sagan veut se débarrasser de Sylvain Dillier, il peut le faire. C'est le moment. Mais il ne le fera pas. Il a trop eu besoin de Sylvain Dillier. Il aimerait bien l'amener avec lui sur le vélodrome. Seule différence, bah, je cherche, hein. Il vient d'où, Sylvain Dillier? De Suisse. Oui, mais de la piste. C'est un garçon qui aime la piste, Sylvain Dillier. Ça va se finir. On fait tout en Suisse. Voilà, ça va se finir sur le vélodrome. Sait-on jamais. Ça peut donner un avantage. Non, c'est vrai qu'on pensait plus à des coureurs comme Stefan Küng lorsqu'on pensait à des coureurs suisses. Malheureusement, bon, il a été victime d'une chute. Ouais, abandonné très tôt. Et derrière, ça y est, on se regarde, on va jouer la troisième place. Mais c'est oui. Fini. Ce sera Sagan ou Dillier. C'est certain, maintenant, ça va être compliqué de leur reprendre 55 secondes. La victoire va se jouer entre Peter Sagan et Sylvain Dillier. Est-ce qu'on a déjà eu un podium d'AG2R la mondiale sur Paris-Roubaix? Bonne question. Steve. Il n'était pas chez AG2R, tu vois? Non, il est allé après. Il est allé après. Chez Jean-René. Prochaine fois, Steve, tu la gardes, ta question. Ta question de merde. Ah ouais, à 3,5 km de l'arrivée, c'est la question pourrie. Hein. Est-ce qu'on a déjà eu un podium France cyclisme sur Paris-Roubaix? Non, je crois pas, j'ai pas de souvenir. Hein. Moi non plus, il faudrait demander à Vincent Lavenue. Appelez Vincent Lavenue. Vincent, s'il nous écoute. Un coup de fil à un ami, s'il vous plaît. Jackie Durand, vous avez 3 km 300. Goubi, aucun souvenir. Journey. Non, je pense pas. Non. Il doit se trapper en couleur de champion de Suisse, Sylvain Dillier. Mais sans gants. Hein. Sans gants. Normal. Voilà, il ne sent plus rien. Une minute. Derrière, ça s'est relevé. 3 km. 3 km de l'arrivée. Et on se taira, bien sûr, à l'entrée dans le vélodrome pour laisser les Roubaisiens accueillir le champion du monde et le champion de Suisse. Et là, c'est dur. C'est dur pour Dillier. Mais quelle course hein. Le prix de la combativité, le prix du plus méritant, c'est presque pour Dillier. Hein. Parce que faire ce qu'il a fait aujourd'hui, franchement, chapeau. On l'a dit, hein, souvent, les échappés n'arrivent pas souvent pour la victoire. Ça a été le cas pour Eman, qui a été chercher la victoire en 2016. On se souvient de Challinghi, qui avait été chercher la troisième place en 2011. Stark O'Grady, échappé en 2007 et qui a été victorieux ici. Tom Bonnen est également dans l'échappée matinale en 2002, qui avait été chercher la troisième place. Mais voilà, c'est pas le pur des Flandriens, hein, qui est là. Mais respect pour sa course. Il a même été plus fort qu'un coureur comme Yelle Wallace, qui connaît plus les pavés du Nord que le coureur suisse. On va y arriver au dernier secteur pavé sur l'avenue Roger Salingros. Et on n'a pas monté, on monte plus le dernier faux plat. Hein, c'est ce que je me posais la question. Mais de temps en temps, ouais, on l'évite. Et là, on l'a évité. Bah, ça arrange bien les affaires de Sylvain Dillier. Dillier, lui, il a pris une dernière gorgée, il a jeté son bidon, contrairement à Sagan. Hein, Allez, maintenant, après, dans un sprint à deux, on ne sait ça. Jamais ce qui peut c'est se passer. C'est ça, c'est 99% de chance pour Peter Sagan, mais il y a 1% pour le pistard suisse qui a une bonne pointe de vitesse. S'il déchausse. Il n'aura probablement plus l'arrivée, plus la possibilité de remporter Paris-Roubaix, d'arriver pour la gagne dans ce vélodrome. En tout cas, on ne sait jamais regarder. Hein. C'est vrai que lorsqu'on a comme ça deux coureurs à l'avant, on rentre dans le vélodrome, il y a souvent un petit marquage qui s'opère. Je me souviens du marquage d'André Schmil et Frédéric Moncassin il y a quelques années. Qui avait permis à Frédéric Guénon, hein, de rentrer, d'arriver de l'arrière et de s'imposer. Mais là, on l'a compris, on s'est entendu rapidement. Peter Sagan avait pour mission de faire les secteurs pavés au train sans lâcher Sylvain Dillier, qui lui ensuite le relayait sur les parties intermédiaires. Allez. Voilà, le dernier. Kupland. Kupland, le seul Roubaisien de l'histoire à avoir remporté Paris-Roubaix, il l'avait remporté à deux reprises. C'est maintenant Peter Sagan, Sylvain Dillier,
Et Didier qui passe encore. Hein. Il jouer quand même, hein. Mais non, je crois qu'il est. Il joue pas. Il joue pas. Voilà, voilà. Il va. Mais je pense que ce matin il aurait signé. Hein. Ah, carrément. Les deux doigts, des orteils pour aller chercher une deuxième place. La flamme rouge et l'entrée dans le Vélodrome. Peut-être même un top 10, hein, Jackie. Il aurait peut-être été heureux de terminer le top 10. Allez, on va laisser vivre l'entrée sur le Vélodrome. Et il n'y aura pas de Belge à entrer sur le Vélodrome en tête. Ce sera Sagan ou Didier. Allez, il veut y croire, Sylvain Didier. J'ai tout fait pour ça, en pistard, en haut du virage. Et pourquoi pas, On va attendre jusqu'au dernier moment la cloche. Allez, le dernier tour. Les mains en bas, on met le bon braquet. Ah, il se régale là. Peter Sagan est dans sa position favorite. Steve Chenel. Le frisson. Ah, le frisson. Les poils qui se dressent. Vous aussi sûrement à la télévision. Devant votre télévision. Peter Sagan qui pousse Sylvain Tellier. Le pistard suisse face à l'homme à tout bien faire. Lui est slovaque, il est triple champion du monde. Ah, on le voit, qu'il a le métier de la piste. Il va attendre au maximum. Est-ce qu'il va plonger Peter Sagan ou faire l'extérieur? Il va plonger Peter Sagan. Aller chercher la Côte d'Azur et lancer de très très loin. Sylvain Tellier qui va essayer de remonter. Ça va être dur pour les Suisses. Non, Peter Sagan, 37 ans après Bernard Hinault, lève les bras, couvert du maillot de champion du monde et remporte Paris-Roubaix, son deuxième monument après le Rond 2 en 2016. Il avait déjà la même tunique de champion du monde. Allez, pour le podium, on aura quand même un Quick-Step Floors. Parce que Nicky Terpstra s'est débarrassé de Van Avermaet, de Van Marck. Troisième Nicky Terpstra comme en 2013. Le sprint pour la quatrième place maintenant. Avec Stuyven, avec Greg Van Avermaet. Et avec Sepp Van Marck. Waouh, quelle finale de Sagan. Hein. Mais chapeau Didier pour ce podium. Là, on se bat pour la quatrième place entre Van Avermaet, Van Marck et Stuyven. Une place de 4. On va le voir arriver Terpstra là normalement. Voilà. Troisième podium. Ils font bien les choses. Hein. Nouveau podium sur Paris-Roubaix pour Nicky Terpstra. Bah, wow. Je crois battu par plus fort hein, aujourd'hui parce que derrière, ils étaient quand même à 4 à rouler, 4 champions, 4 grands favoris. Ils ne sont pas parvenus à reprendre du temps sur le champion du monde qui a pris des risques quelque part en partant à 54 km de l'arrivée. Il est là le vainqueur. Peter Sagan remporte Paris-Roubaix.